Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, content de vous retrouver pour un nouveau live. Je vois que Raidre le Rouge est déjà là, alors j'ai le chat qui ne s'affiche pas, c'est normal, tout simplement parce que je ne l'ai pas activé, voilà c'est fait. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette soirée nord-américaine. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ça, ça fait un petit moment qu'on n'était pas retourné du côté des lives de la MLS. Et ben voilà, on va y retourner tranquillement. Je vois que voilà, les habitués commencent à arriver. Installez-vous confortablement, on va se faire une jolie petite soirée MLS. On a un joli programme, franchement, on a un joli programme, on a un très gros match surtout. Vous imaginez quel gros match on va aller regarder. En plus, il est gratuit sur les MLS Season Pass, donc voilà, hein. Tant qu'à faire, autant se faire plaisir là-dessus. Je vais peut-être vous le montrer le. Ouais, je vais faire ça. Je vais vous montrer le programme de la soirée. Qui ça, Aaron Long? Évidemment. Évidemment. Bonjour à Aaron Long. Voilà. J'espère que tout le monde va être bien là-dessus. Donc, je le disais, le programme. Il y a 4 matchs qui vont démarrer à 1h30. Atlanta-Montréal, Cincy-Charlotte, DC United, New York Red Bull. Je ne sais pas si, vu la flotte qui tombait à DC, ça va vraiment jouer. Je n'ai pas regardé les dernières infos là-dessus. On va voir. Et forcément, le match gratuit, j'en parlais à l'instant. C'est ce match-là que l'on va suivre ensemble, parce qu'en plus, il est gratuit. C'est Philadelphia contre le LAFC. C'est tout simplement la revanche de la dernière finale MLS, probablement, même je pense qu'on peut le dire comme ça, la plus belle finale de l'histoire de la MLS, parce que ce match avait été absolument exceptionnel. Donc voilà, on va regarder cette revanche là. Ouais, petit match, ouais, tout petit match. Atlanta-Montréal, Raph. C'est Cincy-Charlotte. Donc voilà, on va regarder ce match-là. Ce sont les matchs de 1h30. Ces 4 matchs-là démarrent à 1h30. Ensuite, vous voyez, il y a 4 matchs qui vont démarrer à 2h30. Chicago Fire New England Revolution, gratuit sur les MLS Season Pass. Dallas Columbus, pas gratuit. Autre match gratuit, c'est le Sporting Kansas contre Coco Carrasquilla et Houston. Et Minnesota, lui, ne sera pas gratuit face à Saint-Louis. Finale que je n'avais pas vue en direct. Non, je le sais. Je sais que toi, monsieur Raphaël, tu l'avais vu. Voilà. Bref, on est d'ailleurs en train de voir. Là, ils sont en train de faire un petit peu le tour des stats sur le match, le stream de Philadelphia. On est en train de voir l'arrivée de Cucho Hernandez et des joueurs du crew. Voilà, c'est le programme. C'est le programme de la soirée. 34e week-end, journée. Ouais, 34e journée de MLS, dirons-nous. Tel sera le programme. Je le disais, nous, on va se focus tranquillement sur Philadelphie-Los Angeles. Philadelphie est déjà qualifiée pour les playoffs. Los Angeles ne l'est pas encore, ils devraient y être, hein. Ils vont y être tranquillement. Ah, j'ai pas pensé à mettre les classements
à préparer les classements. C'est voilà, je suis en train d'y penser là. Ça aurait pu être bien de mettre les classements pour ceux qui bah voilà, qui sont pas forcément au courant des dernières actus au niveau des classements des deux conférences. Juste pour vous planter un petit peu le décor, Philadelphie pour l'instant est quatrième de la conférence Est à 11 points du leader Cincinnati, donc ils vont pas tenter d'aller chercher le Supporters Shield, mais vous savez qu'il faut quand même essayer d'être le mieux classé possible. Ils sont qualifiés, je le disais, pour les playoffs. Ils sont à 2 points d'Orlando, qui joue contre l'Inter Miami. Gros choc ce week-end. Le LAFC, pour sa part, lui peut jouer la première place encore de la conférence. Saint-Louis est pour l'instant leader de la conférence Ouest. Saint-Louis est qualifié. Sacré exploit, hein, enfin sacré exploit, sacré belle perf pour Saint-Louis. Première saison en MLS est déjà sûr d'être qualifié. Ça va être compliqué pour Saint-Louis d'aller chercher le Supporters Shield parce que 9 points de retard sur Cincinnati et un match de plus. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, le Supporters Shield, c'est la table combinée hein, des deux conférences qui est le leader. Le leader, en gros, est le vainqueur de la saison régulière et donc remporte un trophée qui s'appelle le Supporters Shield. Le Los Angeles FC, lui, est troisième à 6 points de Saint-Louis, avec un match de retard justement sur Saint-Louis et à 1 point derrière Seattle qui a également un match de plus que le LAFC. Qui est un peu dans le dur, on va dire, hein, le LAFC depuis quelques temps, depuis quelques temps, ouais, c'est pas extraordinaire en termes de performance de manière générale. Boca, c'est terminé. Ouais, alors, pour ne rien te cacher, j'avais un petit peu les images sur dans un coin là, dans un coin de l'écran, j'avais des images. Et effectivement, Boca, c'était pas foufou. C'était comme en NHL avec le trophée des présidents. Ouais, alors est-ce que je vais faire ça parce que ça peut être quand même pas mal. Je vais prendre le temps de le faire. Est-ce que je le fais ici ou est-ce que je le fais ici? Je vais le faire là, ça sera mieux. On va faire comme ça. Je vais l'afficher le classement parce que c'est bien de dire les choses, mais après les gens peuvent picorer ce qu'ils ont envie de picorer. Je vais vous mettre les classements des deux confs. Et comme ça, vous verrez à peu près où on en est. Je vais faire comme ça et je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais l'afficher là. Ça va me prendre 2 secondes. Je suis désolé, j'aurais dû le faire avant. Mais au moins comme ça, on saura de quoi on parle et on sera bien là-dessus. Donc, on va faire ça. On va faire ça et on va faire comme ça. Et je vais vous mettre le classement comme ça sera mieux. Hop, et ici. Voilà les classements. Comme ça, vous pourrez picorer un petit peu, vous pourrez voir qui est classé comment. Effectivement, Chris, Cincinnati a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance. 9 points hein, sur son premier poursuivant direct et surtout un match de retard. Alors, pas de match de retard par rapport à Orlando, mais par rapport à la conférence Ouest. Voilà. Et ce qui est assez amusant, hein, c'est ce que j'écrivais dans l'article qui essayait de résumer un petit peu où on en était aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait d'ailleurs. La conférence Est, qui est pour moi la plus relevée, hein, la plus compliquée, finalement, c'est celle qui pour l'instant a envoyé le plus d'équipes, a déjà qualifié le plus d'équipes. Donc c'est pareil, il va y avoir des choses qui... il devrait y avoir des rotations hein, au fur et à mesure des semaines pour préparer les playoffs et pour arriver dans un état de fraîcheur maximum. Il reste un mois hein, concrètement pour les autres, il reste 5 matchs à peu près. C'est 34 matchs, hein, une saison MLS. Donc vous regardez le nombre de matchs disputés par chacun et vous savez à peu près combien il leur en reste. Donc, voilà, est-ce que Saint-Louis va faire mieux que Sounders lors de leur première saison? Ça va être la bonne question. La bonne question. On va voir. Alors, faut faire attention hein, parce que les classements que vous voyez là, ce sont des saisons régulières. C'est sur 30 matchs, 34 donc je le disais. Quand on va entrer en phase de playoff, on va changer de monde. Hein. On va passer en mode coupe, ça va se jouer sur, entre guillemets, d'autres dimensions. Et donc, attention parce que bah, vous le voyez sur ce classement hein, alors peut-être. L'Inter Miami peut le faire, vraiment, peut aller arracher une place en playoff, ils sont encore à portée de tir de tout le monde, voilà, ils sont à 5 points, ils sont à 5 points de DC United avec 2 matchs de retard, donc vous calculez le truc, et exactement, bonsoir à toi Rudy, même sans Messi, ça se met à gagner, cette équipe a changé, hein, on l'a dit pendant la Leagues Cup, on a vu hein, des choses se mettre en place, et effectivement, alors que Messi n'est plus là, ça continue de gagner, bon, sauf quand ça joue à Atlanta, mais alors peut-être aussi pour le LA Galaxy, ça je sais que tu l'espères très fort, Raph, mais voilà, il y a du alors peut-être, il y a un monde où ça peut passer pour l'Inter Miami, et
très franchement, je pense que l'Inter Miami en Formule Coupe va être très très compliqué à jouer. Même si, pour le coup, s'ils vont arriver par la petite porte, ils ne seront donc pas... ils n'auront pas les avantages du terrain, etc. etc. Mais ouais, on verra si... alors, Colorado, non. Alors, Colorado et Toronto, je pense qu'on peut dire... Alors, je ne sais pas si je déclenche un effet Halo. Enfin, c'est, franchement, si je déclenche un effet Halo là-dessus, Colorado et Toronto, je pense qu'on peut dire que c'est bon. Hein. on va se dire gentiment à l'année prochaine. Et puis voilà quoi. Hein. on va clairement les saluer, les remercier pour cette belle saison qui n'a servi à rien, une de plus hein, pour Toronto. Colorado, c'était un petit peu plus prévisible. Mais bon, le Galaxy, ça va être un petit peu compliqué quand même. Hein, parce que quoique, ils ont des matchs de retard aussi. Hein, je suis en train de regarder le classement. À voir. Bref, les équipes sont en train de terminer leur échauffement. Donc, vous voyez à quel point on est toujours pile dans les temps. Alors, attends, est-ce qu'ils sont sur les images en direct? Ou est-ce qu'ils nous font un petit léger différé? Peut-être qu'ils nous font un léger différé sur la prépa des deux équipes. Donc, voilà. Il y a le Go Time Edwards, ouais. Voilà, bah, ils sont en train de nous montrer les classements. Alors, je vous le rappelle, si vous voulez voir les matchs, point d'exclamation MLS. Vous aurez le lien direct vers le MLS Season Pass, c'est pas un lien affilié, n'ayez pas peur. Hein, si vous cherchez un lien affilié, allez sur le Instagram de Léo Messi, hein, aidez ce jeune Argentin qui débute. Et là, vous aurez des liens affiliés, il prendra un pourcentage sur les gens qu'il ramène via son compte Instagram. Mais tout ça pour dire que vous pouvez aller sur le MLS Season Pass et vous avez des matchs gratuits. Si vous ne le saviez pas, vous avez des matchs gratuits. Ce match entre Philadelphia et le Los Angeles FC est gratuit. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter le MLS Season Pass, vous n'avez pas besoin d'être abonné à Apple TV, vous avez juste besoin de créer un compte gratuitement sur la plateforme et vous aurez accès à ce match, donc profitez-en, c'est gratuit. Voilà, on va en profiter nous justement parce que on va bientôt entrer dans le match, hein. les deux équipes ne sont pas encore entrées sur le terrain, mais ça ne saurait plus trop tarder. On va regarder du côté des compos puisqu'elles sont affichées. On devrait avoir un 3-4-3. C'est ce qui nous est affiché côté. Alors vous l'appelez comme vous voulez, le 3-4-3. Hein, soit un 3-4-3, soit un 5-3-2. On va voir comment ça va fonctionner. Je pense que c'est plus du 3-4-3 comme affiché côté Los Angeles FC. Avec le retour hein, depuis quelques semaines maintenant de Crépeau dans les buts. Ça va nous rappeler des choses, hein, Crépeau face à l'Union. Voilà, une défense à 3. Murillo, Aaron, The Goat, Long, Maldonado, Palacios et Hollingshead dans les couloirs. Au milieu de terrain, Kaylin Acosta et Tillman. Bogus devrait jouer un petit peu plus devant, derrière un duo, Stipe Biuk et Oliveira. Vous l'avez compris, pas de Vela, pas de Wanga, pas d'Ilié Sanchez. Ils sont tous les trois sur le banc. Je pense qu'on les verra au cours du match parce qu'il y a un banc très réduit hein, quand même côté LAFC. Donc ça tourne un petit peu côté LAFC. On rappelle que c'est quand même le troisième match en une semaine. Donc voilà. D'ailleurs, la MLS, l'Apple TV s'est pas trompé. Hein, Player to Watch, Maxime Crépeau. Peut-être qu'ils vont nous remontrer le moment où il s'est pété la jambe. on ne sait jamais que tout est possible. Bref. Voilà, côté Philadelphie, on est sur du classique. André Black dans les buts. Ariel Elliott, Dennis Lowe, Kai Wagner en défense. McGlynn, Bueno, Bedoya au milieu. Pas de José Martinez qui est sorti sur blessure lors du dernier match. Et le trio offensif habituel, Gazdag, Ure, Carranza. Voilà, on a quand même deux sacrément belles équipes sur le terrain. On devrait se régaler. Voilà, pourquoi pas de Bouanga? Je pense que ça fait tourner parce que ça ménage un petit peu les corps et les joueurs. Hein, parce que, je disais, troisième match de la semaine pour la plupart des équipes de MLS. Ça a joué en milieu de semaine, ça a joué la fin de semaine dernière. Donc, on peut s'attendre à quelques rotations. Il n'y en a pas beaucoup hein, côté Philly. Il y en a un petit peu côté Los Angeles FC. Mais bon, on va le voir. Hein, on va le voir dans le match. Hein, Bouanga, il y a, je pense. Et effectivement, ouais, Maxime Crépeau est de retour. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 matchs. 3-4 matchs qu'il est de retour, hein, Crépeau. Je vais aller vérifier parce que j'ai un doute au moment où je le dis. Il me semble que ça fait 3-4 matchs qu'il est de retour. Ah non, c'est son troisième. Il est revenu lors du match contre le Galaxy, justement. Donc c'est son troisième match à Crépeau. Et voilà, hein, ça va lui rappeler des souvenirs, hein, puisqu'il s'était blessé lors de cette fameuse et incroyable finale qui avait opposé
Philadelphie et le LAFC. C'était à Los Angeles et ça s'était joué, hein, on s'en rappelle tous maintenant, sur cette incroyable tête. C'est l'action qui restera de Gareth Bale sur le centre de Dieguito Palacios, qui avait permis donner un scénario totalement fou. C'est à peu près la seule action qu'on va retenir de Gareth Bale sur tout son passage au LAFC. Voilà, c'est tout. Carton rouge et fracture de la jambe du haut gagnant, c'est exactement ça, le LAFC qui avait joué à 10. Donc voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose de finir premier de sa conférence? Oui, t'as l'avantage du terrain lors des matchs de play-off, et ça, c'est pas un petit avantage. Donc voilà, ça sert à ça. Mieux, c'est comme un petit peu partout dans tous les systèmes de play-off, de Ligia, de. Enfin voilà, hein, appelle-les comme tu veux. Ça donne cet avantage-là. Plus t'es classé haut, plus t'affrontes des petites équipes. Entre guillemets, là par exemple, si tu finis premier de ta conférence, tu vas affronter le vainqueur du barrage, concrètement. Je t'avoue que dans la conférence Est, si le barrage venait à concerner l'Inter Miami, c'est peut-être pas la meilleure idée, c'est peut-être pas voilà, la meilleure des choses qui pourrait arriver. Mais bon. Donc voilà. Et puis voilà, l'avantage c'est juste ça, hein. c'est vraiment ça. Et après c'est avantage du terrain, parce que je rappelle que les playoffs c'est au meilleur des trois matchs pour le premier tour. Ensuite c'est sur match sec, je crois, hein, de mémoire, et donc la meilleure équipe accueille sur le match sec. Donc les demi-finales de conf se jouent chez le mieux classé qui affronte le plus mauvais des deux, enfin voilà, etc. Et les finales se jouent également sur un seul match qui se joue chez le mieux classé, et à la fin la grande finale MLS se joue aussi dans les deux équipes qui sont qualifiées pour la finale, chez le mieux classé sur la table annuelle. Donc c'est un vrai avantage d'être le mieux classé possible à la fin de la saison régulière. Ça peut te permettre de faire tous les playoffs à la maison, concrètement. Si l'Inter Miami passe de toute façon, c'est en 16e, je pense, les 8e, direct compliqué. Alors, c'est pas des 16e, hein, il y a un barrage, et ensuite tu arrives directement en demi-finale de conf. Donc voilà. Ça marchera comme ça, et tu joueras, par exemple, si l'Inter Miami finit 8e ou 9e de sa conférence, je peux vous réafficher le classement, comme ça vous comprendrez mieux. Fini 8e ou 9e de sa conférence, là, s'ils doublent Montréal ou DC ou l'un des deux, s'ils se placent dans ce top 9, ils vont jouer un match de barrage contre qui va opposer le 8e au 9e, donc soit voilà. Et ensuite, ils iront affronter Cincinnati au premier tour de playoff, voilà, concrètement. Donc voilà. Luciano Acosta a prolongé, Barreal en route pour le Puskás. Ouais, je sais pas si Barreal aura le Puskás, hein, je te l'avoue. J'ai pas regardé quelle était toute la liste des joueurs pour le Puskás, mais bon, pour que ça soit pas un joueur européen qui prenne le Puskás. Si tu vois ce que je veux dire. Généralement voilà quoi. Donc, ouais. Non, ils joueront. Ouais, c'est alors que je redise les choses, parce que je suis en train de vérifier en même temps et pour pas dire de bêtises. Donc, si l'Inter Miami venait à finir 8e ou 9e, ils joueront un barrage sur un match sec. Hein. Le 8e accueillera le 9e d'ailleurs dans la conférence. Et ensuite, ils iront jouer le premier tour face à Cincinnati au meilleur des trois matchs. Voilà. Donc, vous voyez l'importance aussi d'être le mieux classé possible, parce que Cincinnati au premier tour va jouer deux des trois matchs à la maison. Concrètement, voilà, j'espère que j'ai été clair, qu'on a tout posé, les deux équipes sont sur le terrain, on va pouvoir se mettre en mode match, on va pouvoir tranquillement lancer la soirée du côté de Chester, hein, puisque magnifique stade, hein, avec le pont derrière, le fleuve qui passe et tout, enfin je kiffe ce stade. Le coup d'envoi va être justement donné par les joueurs de Philadelphie. Il vient d'être donné par les joueurs de Philadelphie. Donc c'est parti. Je vais pouvoir synchroniser mon chronomètre. Comme ça, vous verrez où j'en suis. Et comme ça, vous saurez si vous êtes en avance ou si vous êtes en retard. Je rappelle donc. Oui, Subaru Park. Merci, c'est vrai. J'avais oublié le nom. Merci, Chris. Subaru Park à Chester, en Pennsylvanie. Et c'est parti. Vous le voyez depuis une vingtaine de secondes. On a trois autres matchs qui se jouent en même temps. Je le rappelle, eux ne sont pas gratuits sur l'MLS Season Pass. Atlanta-Montréal, Cincinnati-Charlotte
et DC United, New York Red Bulls. Vous pouvez aller voir celui que vous voulez, vraiment. Mais si vous n'avez pas le pass, si vous n'avez pas le MLS Season Pass, eh bien, Philadelphia, Los Angeles, FC, gratuit. Et franchement, on le dit, on l'a dit fréquemment, on le répète à chaque fois qu'on fait des lives, les matchs gratuits, c'est pas... Enfin, tu vois, c'est pas... comment dirais-je? C'est pas Metz-Le Havre, quoi. Pour le coup, c'est du vrai gros match. C'est l'une des grosses affiches de la soirée qui est gratuite. Voilà, autant se faire plaisir. Et c'est un bon moyen de donner une bonne vitrine aussi à la MLS parce qu'on voit les meilleures équipes gratuitement. Salut Aïbra qui vient d'arriver. Ça va très très bien, j'espère que ça va chez toi aussi. Et là, il y a une grosse faute hein, qui a été... Et le premier jeune du match. Il est pour Murillo, je pense. Alors, j'ai pas vu qui il a démonté comme ça. Je crois que c'est Bedoya, mais je suis pas sûr. Non, c'est Carranza qui s'est fait démonter. Ah, oh, mais c'est Aaron Long. C'est Aaron. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez lâcher l'émoticône. Aaron Long, premier attentat du match. Ah, je croyais... En fait, ils ont fait un plan sur Murillo derrière. J'avoue que j'étais en train de regarder le chat. New York City s'est reporté parce qu'il y a un pipeline d'eau qui a sauté. Donc c'est reporté à demain. C'est reporté à demain, 19h heure française. Donc ça sera un prime time pour le coup. Il lui a explosé le nez. Magnifique. Aaron Long, les amis. The Goat. Ça a l'air de ballon no goal. Allez, est-ce que ça va aller pour Carranza? Il y a un petit peu de vent. Hein. Si vous avez les images, vous voyez qu'il y a un tout petit peu de vent. Et il a pris que jaune. Hein. Il a pris que jaune, Aaron Long, dans l'histoire. Après, l'arbitre sait qu'on est en train de qu'on est devant le match. Il sait qu'il peut pas nous priver d'un Aaron Long au bout de 2 minutes de jeu, quoi. C'est pas possible. Allez, est-ce que ça va aller pour Carranza? Est-ce qu'on serait pas en train d'appliquer un petit des petites vérifications pour un protocole commotion là? Aaron Long, sans aucun doute, Ibra. Visca, c'était un bon joueur quand même. Il est quand même sonné, hein, Carranza. Allez, salut Rodolphe. Écoute, ça va, j'espère que ça va chez toi aussi. J'espère que ça va mieux que Carranza. Ce qui... Il aurait pu tellement faire un grand match contre l'Allemagne en octobre quand on voit ce qu'il faut au bout de 30 secondes. Ah, ils sont en train de nous faire un petit replay de tous les LAFC Philadelphia de ces dernières, de cette dernière, de ces dernières, des deux dernières années, enfin 2022-2023. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un spectacle. On est sur Philadelphie, Los Angeles FC, Rodolphe, match gratuit sur le Season Pass. Donc, tu vois, même si tu n'as pas le Season Pass, tu peux aller le regarder tranquillement. Et je crois d'ailleurs que c'est toujours le cas, mais il me semble que... comment dirais-je? Il me semble que si vous avez Apple TV, juste Apple TV, ils ont maintenant inclus le Season Pass dedans. Ça a l'air d'aller pour Carranza qui s'est relevé, qui a le nez un peu rouge. Tu es sur Atlanta-Montréal, ok. Bon, ça a l'air d'aller pour Carranza parce qu'il râle. Le match a été arrêté quand même bien 2 minutes 30, hein, facile. Et ça va donner coup franc pour Philly.
Et donc, première possibilité d'aller mettre le danger sur les buts de Maxime Crépeau, pas du tout, ça va partir dans les nuages. Cette tentative de Wagner. Ah non, 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 on s'est mis sur ça. On sent pourquoi Rodolphe est maintenant canadien. Mais on va surveiller quand même, hein, pour côté Carranza. Mais on s'est dit qu'on allait se mettre sur la grosse affiche de la soirée et en plus elle est gratuite. Donc autant que tout le maximum de gens puissent en profiter. Je sais pas s'il va nous faire... Je sais, alors pour l'instant je l'ai pas vu dans le coin, Chris, le Pierre. Est-ce qu'il va nous faire un débrief du cirque dans son club? Là il doit être en train de se cacher parce que ça joue le PSG demain. Ramène-nous 2 litres de sirop d'érable et 50 kilos de pancake. La ligne, Ibra. Faut faire attention à sa ligne, Ibra. Confiant pour demain ? C'est beau l'insouciance. Pas de pression. Ah non, c'est sûr. Vous allez la prendre pendant le match. Allez, attention à ce centre. Ouais, c'est passé par-dessus. Et on allonge côté Philly. Récupération Murillo. Et encore ça va, il t'a pas demandé de ramener de la poutine. Hein. Carranza, il a gagné un joli nez rouge. Merci Aaron Long. Ouh, attention à cette récupération, ça a été sifflé. Pas trop ce qu'il a sifflé là. Hein. Pas trop ce qui a été sifflé là contre Stipe Biuk qui avait lancé Christian Oliveira. Ah, le trio offensif du LAFC, 21 piges hein, de moyenne d'âge. Ça s'est bien bien rajeuni. Hein. Et je rappelle, hein, si vous les cherchez, Vela et Bouanga sont sur le banc. Je pense qu'on les verra au cours du match. Là, je viens de lancer l'effet LO, on les verra pas. On a bien joué ce changement d'aile. Bogouche qui va peut-être obtenir la faute. Non, la récupération au Link's Head. Oliveira qui tente de passer, mais qui est pris à deux. Entre Elliott et Kai Wagner. Il n'y a pas de but hein, sur les autres terrains. Il est occupé à envoyer des messages vocaux. Il lui a fait une proposition de contrat. Tranquille les week-ends quand ton club joue pas. Ouais. Bah, normalement, je vais aller les voir jouer mardi soir. Ça joue à Guingamp, je vais y aller. Normalement, il est prévu que j'y aille. À Guingamp, ça va être dur? Oui. Ça va être dur toute la saison. Retiens, je suis conscient du niveau de mon équipe. Et puis, le Guionismo a fini par nous tuer, donc... Bien joué de la part de Palacios. J'avais pas fait gaffe qu'il avait le brassard hein, ce soir, Dieguito. Tu vas déclencher l'effet LO en y allant. J'y suis allé l'année dernière, on y a gagné. Hein. Allez, Bogush. Aussi, il ouvre à gauche. Il l'a vu. La remise en une touche et ça a été lu aussi par la défense de l'Union. Ah oui, je vous rappelle, hein, si vous n'êtes pas habitué,
Mais là, il y a pas mal d'habitués. Donc voilà, on dit pas l'Union hein, sur LOTV, on dit les Olos. On rappelle, hein, les Olos pour Philadelphie. Elise va peut-être te sauver la saison. Elise va jouer à fond jusqu'à janvier et va prier pour un transfert en janvier. Et on le sait, hein, c'est comme ça qu'il va jouer. Il va s'arracher pendant un mois et demi et pour essayer d'avoir un bon contrat ailleurs. Ou aller chercher un prêt. Faudra que je les voie, ces fameux pénaltys, alors, parce que j'ai pas vu, hein. Ça va, ça a l'air d'être bonne ambiance sur le banc du LAFC. J'ai dépensé 55 euros pour voir Nice gagner, j'ai les boules. Si t'avais payé plus cher, t'aurais eu une victoire. Ouais, Carranza qui a été devancé. La récupération dans un second temps. Et le voici, Carranza qui va tenter de centrer. Ça va être dégagé par Murillo, plus ou moins. Ça va revenir. La tête, la remise. Ouh. On s'est fait un petit peu peur. Et Murillo qui peut relancer sur Palacios, qui va mettre le ballon en touche. Tous avec les Olos pour empêcher le LFC de prendre la tête de la conférence à Saint-Louis. 6 points d'écart, hein, et il y a un match de moins, hein, pour le LFC. Donc effectivement, la menace est réelle. Et ce ballon qui a tenté d'être mis dans le dos, et Crépeau qui va sortir. Et toujours pas de but, hein, pour l'instant dans les matchs. ...0-0 entre Atlanta et Montréal, 0-0 entre Cincy et Charlotte, 0-0 entre DC et les Red Bulls, et donc 0-0 entre Philly et le LAFC. Mais on le sait, ça va se décanter, c'est la MLS, ça n'existe pas les 0-0 en MLS. Puis en même temps, c'est normal, les équipes sont toutes nulles. Il n'y a pas de défense. Donc vous le savez. On fera un peu les deux, je pense, Rudy. J'ai pas encore posé le planning, mais bon, je pense qu'on privilégierait quand même la Libertadores. Quand même. Même si je t'avoue que Fluminense Inter m'excite moins, mais bon. Ballon récupéré par André Blake. Ce sont des plots en béton armé, exactement. D'ailleurs, ils devraient tous jouer en orange, ça serait conforme avec leur alignement. Bah, Boca Palmeiras, c'est surtout ce qu'on attend, c'est de voir Boca se faire entuber par Roldan. On le sait, ça va arriver, on attend tous ça. Le craquito de Johnny, c'est vrai. Et puis, il y a Ener. Après, franchement, sur le papier... Franchement, sur le papier, le Fluminense Inter, il est sympa, hein, parce que ça joue bien des deux côtés. Donc voilà, ça devrait être un match très très sympa. Beaucoup plus sympa que Boca Palmeiras en termes de football, je pense. Ouais, j'ai vu passer un tweet tout à l'heure comme d'un supporter de Boca qui disait que si Boca venait à gagner la Libertadores, ce serait le miracle du millénaire. Il était devant le match face à Lanús. Allez, Philly qui s'est installé. Maglin avec Kai Wagner. Ça travaille sur le côté gauche. Wagner aussi, à nouveau. Et on va reculer. Attention à ne pas perdre ce ballon parce que ça va jaillir en contre. Ah, c'est pas Christian, c'est Wilmar. Le GOAT,
Le GOAT, un quart d'heure de jeu, 0-0. Pas encore de vraie occasion hein, dans ce match. Attention à ces ballons en retrait. Ah, je pense que Roldan a traumatisé toute l'Amérique du Sud. Après, la chance, c'est qu'ils n'ont pas droit au duo magique Roldan-Andrés Cunha. Hein. Ou Leodan González, par exemple. Ils auraient pu faire ce duo-là, Ovar ou Nicolas Gallo, s'ils avaient voulu faire du 100% Colombie. Là, ça aurait été exceptionnel. Là, on pouvait être sûr que Boca se faisait voir. À voir, mais à 12 000%. Là, il reste encore la possibilité. Même si, bon, ils ont quand même été à mettre un arbitre VAR qui est chilien. Hein, donc, les Argentins vont kiffer. Ouais, mal joué de la part de Kai Wagner. Et est-ce qu'on va repartir du côté de Christian Oliveira? Ouais, c'est compliqué ce qu'il a tenté. Il n'obtiendra même pas la faute. McLean, ça joue dans des petits espaces quand même. Et ça va s'empaler. Et on va récupérer le ballon. Bah, l'Uruguayen, Andrés Cunha, Ibra. Si tu penses au duo magique de 2017, par exemple. Le fameux Lanús River. Ostojic. Ah, bienvenue, Rodolphe. Bienvenue sur Philly LA. Oh, on n'a pas d'occasion hein, pour l'instant. Hein. Je sais pas ce que ça a donné Atlanta à Montréal, mais on n'a pas d'occasion. Il n'y a aucun but hein, pour l'instant. On arrive à... Allez, on a passé le quart d'heure sur tous les matchs. 17 minutes de jeu. Et la récupération avec Diego Palacios. Avec Acosta. Et le ballon a été récupéré. Non, Acosta dans un second temps. Vers Palacios qui s'appuie. On va revenir à l'opposé. Maldonado. Qui vient chercher Holding Z. Qui s'appuie sur Murillo. Petite séquence de possession pour le LAFC. Attention à ce ballon dans le dos de la défense. C'est bien lu. Père Damien Love. Et on va repartir côté Philly. Kai Wagner, côté gauche. On l'a laissé avancer tranquillement. Carranza qui peut se retourner. Qui va aller chercher à l'opposé. Bien joué. La montée d'Ariel. Ou pas. Il est revenu. Hein, le latéral droit de Philadelphie qui a à nouveau servi, mais on a reculé. Bedoya qui s'appuie sur Ariel. Pour l'instant, ça coulisse bien. Hein. Côté LAFC, grosse séquence de possession. Gazdag, Bedoya, Gazdag à nouveau. On est collé côté droit, on est bien enfermé. Et Gazdag qui tente quelque chose d'assez compliqué. Et Maldonado qui peut intervenir. Mal relancé, récupération Gazdag. Ariel à nouveau, qui va tenter d'éliminer devant Palacios. Mais il va être repris et faire faute, voilà. Il s'est un peu fait piéger, presque envie de dire, à l'expérience. Le premier but de la soirée nous vient de New York, qui a ouvert le score face à DC United. Les Red Bulls. Alors, qui est le buteur ? Omir Fernandez, qui a ouvert le score pour... les Red Bulls, on va donc mettre ça à jour. Le seul but vient du match où je pensais qu'il n'y en aurait pas. C'est pas faux. Ouais, surtout qu'en plus, d'ici, c'était assez solide hein, défensivement. Salut Ibra, et à jeudi donc. DC United, ça serait une déception de ne pas se qualifier pour les playoffs. Ils sont à leur place, là, pour l'instant.
Bah, ils ont perdu leur gardien, sauf que Bono, depuis qu'il s'est installé, ça va, hein. Ça se passe plutôt pas mal. Allez, le corner d'Acosta, premier poteau, ça passe devant tout le monde. Allez, deuxième chance, peut-être. Avec Oliveira qui va entrer dans la surface, qui va centrer du gauche, ça passe devant tout le monde à nouveau. C'est dégagé en deux temps par la défense de Philly. Et égalisation de DC, hein, d'ailleurs, à l'instant. De Benteke. Tu vas voir que ça va être le seul match où il y aura des buts. Ouais, c'est assez inoffensif les Red Bulls. Et en plus, par rapport à ton commentaire sur ça aurait pu... c'était le match où on attendait le moins de buts. Très franchement, entre le côté inoffensif des Red Bulls et le côté très solide défensivement de DC, ça pouvait effectivement sentir le 0-0 qu'il n'y aura pas, donc puisqu'il y a déjà 1-1. Mais franchement... Franchement, ce que fait Bono, hein, côté DC, ça va poser des questions, hein, parce que ça peut tout à fait faire, ça peut tout à fait faire une Sirois à Montréal, hein, par rapport à Pantémis. Hein. Donc, attention quand même. Hein. Parce que Tyler Miller devrait revenir normalement pour les playoffs s'ils y participent. Ou pas très loin des playoffs. Il me semble que son retour est prévu début octobre, mi-octobre par là. Donc voilà, hein, si Bono fait le taf aussi, on pensait les hiérarchies de gardiens, c'est toujours compliqué. Hein. Regarde à Montréal où Pantémis avait pris le poste, s'est blessé à la main, Sirois a pris la place puisque l'autre était blessé, et depuis il l'a plus perdu. Hein. Toujours très compliqué. Hein. Oh, bien joué le changement d'aile. Il va y avoir de l'espace. 85% de possession à Atlanta. Ouais. Qui monte un peu en régime Atlanta. Hein, qui revient bien. Ça reste encore un peu fragile l'équilibre. Hein. Oh, bien joué ce ballon dans la profondeur. Et on a tenté le centre en première intention. La récupération peut-être de Michael Ouré. Et Bueno qui récupère le centre à venir de Kai Wagner. La remise de Carranza, c'est bien joué. Ouh, Gazdag qui avait tenté à son tour de retrouver l'avant-centre des Olos. Ça chauffe un petit peu quand même hein, du côté de la défense du LAFC. Bien joué de la part de Gazdag qui laisse passer. J'ai rien contre Miami, mais j'ai jamais autant applaudi les buts d'Atlanta lors du 5-2. On ne passe pas à Ron Long comme ça, c'est vrai. The Goat. C'était ambitieux hein, ce qu'a fait Tillman, mais il s'en est sorti. Et Stipe Biouk, lui, non. Le ballon est sorti en touche. Récupération pour Philly. Et ouvrir à droite. Carranza en relais. Qui va aller chercher justement à droite avec Bedoya. J'espère aussi, Chris, qu'on aura un geste au moins aussi magnifique que l'interception poitrine face à l'Inter Miami. Qui reste l'un des plus beaux gestes de l'année. Ouh, attention à ce ballon dans la profondeur. Pour Oliveira. Il y a du 2 contre 2. S'il passe, s'il arrive à glisser le ballon pour Stipe Biouk. Non. Alors, est-ce qu'on a d'autres buts? Et non.
Ouais, la touche à venir pour Los Angeles. On est côté droit. Avec Alling Z. Oliveira qui tente de repiquer la récupération avec Tillman, mais non, ballon en touche, on a du mal hein, côté LAFC. Et on allonge côté Philly, Carranza. Oh attention, s'il arrive à ouvrir, il va y avoir faute sur, sur Carranza. Et coup franc à venir pour Philadelphia. But à Laval, oui, il y en a eu ce soir des buts à Laval. C'est sympa les buts à Laval d'ailleurs. Avec la victoire dans les, le temps additionnel face à Guingamp justement. Incroyable Laval qui est leader de D2, de Ligue 2 pardon. Laval joue le titre, ouais, on va pas s'enflammer quand même. Mais c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est assez fou. Ouais. Mais ils ont tellement galéré l'année dernière. Après, c'est normal, hein, t'arrives de national, tu vas galérer un petit peu. Ils ont réussi à se sauver. Avec quelques coups durs quand même en cours de saison. Hein. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle celui qui s'était fait les croisés? Leur meneur de jeu, enfin leur, l'un de leurs chefs d'orchestre en fait. Qui s'était fait les croisés. Il est parti là, je crois qu'il est en Corse. Bastia, Ajaccio, je sais plus. Maggiotti, je crois, quelque chose comme ça. À l'inverse de Quevilly, ouais. Mais Laval a pris la mesure. Après, c'est un peu... presque envie de dire, c'est un peu comme Brest, ce qui arrive à Laval. Tu vois, c'est, ça prend le... En fait, c'est un peu le principe. Il faut essayer de prendre le max de points en, là, en début de saison. Parce qu'il va y avoir un trou d'air à un moment, c'est sûr. C'est sûr. Et tout va se jouer là. Parce que Laval n'était pas si mal à un moment l'année dernière. Ils n'étaient pas aux premières places, mais ils étaient... Ils avaient les moyens d'être un petit peu sereins, je crois, de mémoire. Il me semble qu'il y a un moment où ils n'étaient pas trop mal et ça s'est mis à... Voilà, à sérieusement tanguer. Justement après les croisés. Je crois que c'était Julien Maggiotti. Et... j'ai un doute, mais je crois que c'était lui. Donc voilà. Et ouais, c'est ça. Il y a encore 4 descentes. Donc, attention à ce ballon vers l'entrée de la surface. En tout cas, ça serait cool hein, que Laval puisse rester de manière un petit peu pérenne, au moins en Ligue 2. La récupération de Stipe Biouk qui va passer. Il a rafuté, mais il est passé. Allez, il y a un 3 contre 3 joué. Ce ballon est mal joué, justement. Par Biouk, Bogusch n'y est pas allé, véritablement. Et c'est justement ça, ouais, la saison est longue, donc voilà. Je pense que pour l'instant, ça ressemble un peu à ce que fait Brest. Mais l'essentiel, c'est ça, c'est que tu prends le max de points très vite, et voilà. 3, ça serait peut-être le moment de virer l'Australien. Bah ça dépend du City Group, mais on va pas... On peut, hein, si tu veux parler de ça, mais... stratégie sportive et City Group, ça n'existe pas. Hein. Donc c'est la seule stratégie sportive qu'il y a au City Group, c'est Manchester. Hein. Le reste, ça sert à rien, ils s'en foutent. Hein. Quand tu vois ce qu'ils ont fait de New York City... qui a été champion MLS, c'était pas prévu. Hein. On l'a vu un petit peu, McLean. Ouais, mais tu vas voir, c'est pas des choses qui sont prévues. Girona, c'est pas prévu non plus. C'est des équipes qui sont juste là pour faire de l'optimisation fiscale dans certains, pour essayer de jouer un petit peu avec les joueurs. Ouais, voilà, c'est ça, détourner un peu le cercle financier quand tu peux. C'est des clubs qui servent à rien. Qui n'ont aucune stratégie sportive, aucune. 3 n'en avait pas l'année dernière, et n'en aura pas cette année. Hein. Donc les mecs s'en foutent hein, de savoir à quel niveau joue 3. Hein. Et je te dis, le meilleur exemple, c'est vraiment New York City. Hein. Champion MLS, complètement démantelé. Ça serait sympa qu'un de ces 4, un joueur comme Maxime Chano, qui a envoyé 2-3 mines par réseaux sociaux interposés, aille jusqu'au bout de sa pensée par rapport à la façon dont City a été géré, mais bon. Mais c'est un peu ça les emmerde presque quand ils performent trop, ouais.
J'ai pas vu le vestiaire de 3, il s'est passé quoi Mais voilà, c'est des projets qui n'ont pas de d'objectifs sportifs, donc c'est compliqué. Ouverture du score pour Atlanta. Attention à la montée de Diego Palacios et le centre à venir, il est beau. Ouh, c'est passé juste au-dessus. Chante des Silva hein, pour l'ouverture du score d'Atlanta. Quel centre encore hein, de Diego Palacios. C'est pour les supporters que ça fait... Ah bah oui, clairement. De toute façon, c'est toujours eux qui sont les punis dans l'histoire. Mais oui, on est complètement d'accord. Il y a un moment où ça avait failli être Toulouse hein, quand même, hein, qui était dans la mire. Il y a quelques années, c'était Toulouse qui était un peu dans la mire du City Group. Hein. Et grand Dieu, ils ont échappé à ça. Hein. Eric Palmer-Brown a relevé quelques trucs sympas sur son passage. Il a dit que quand les recrues de Manchester City étaient arrivées, Batless leur a dit direct, vous n'êtes pas méga, vous n'allez pas voir le terrain. Oh, là, je ne sais pas trop ce qu'il nous a fait là, Kaylin Acosta. Il y avait un bon coup franc pour le LAFC. Et le centre a rien donné. Ah, comment il est en termes d'infrastructure? Ah oui, mais les coquilles vides, ils sont très forts là-dessus, du côté de Citigroup. La vitrine, c'est important. Hein. L'arrière-boutique, un peu moins. Tu regarderas le centre de formation de Torquay. Montevideo Torquay City, là. Montevideo City, pardon. Tu regarderas, ils ont fait des jolis bâtiments avec des jolis terrains et tout, mais il n'y a aucun projet. Aucun projet sportif, rien à foutre. Mais voilà, leur club satellite ne servent qu'à être des clubs satellites, hein, ils n'ont pas d'objectif. Et quand ils brillent trop, c'est vraiment problématique, hein, vraiment, hein, comme disait Chris. Hein. Oh, attention, Oliveira, ce ballon. On joue mal les dernières passes, hein, côté LAFC. Déjà, quand tu vis Rirales, incompréhensible sportivement, il y a un problème. C'est ça. Pour placer un mec qui n'avait pas non plus révolutionné le football en Australie avec son Melbourne City. Je sais pas comment ça va fonctionner si Giron va en LDC. Vis-à-vis de Manchester City. Vis-à-vis de qui va se qualifier. Enfin bon, on sait très bien que ça sera Manchester City, mais... Mais bon, d'un autre côté, on a bien Leipzig et Salzbourg qui sont là. Hein. Donc bon. Oui, oui, ils trouveront une parade. Bah, Toulouse a bien trouvé une parade avec l'AC Milan. Ou bien, ah, il a laissé passer la feinte de tout le monde. Attention, parce que Carranza va passer dans le dos. Non, ça a été lu par le GOAT. Aaron Long. La légende. Bedoya. Ariel. Gazdag qui se retourne. McLean, attention à McLean. Bedoya qui... Je sais pas ce qu'il a fait. Savio qui est un joueur de 3 et en prêt à Girona, deuxième prêt consécutif. Ouais, ou pas. Comment c'était... comment il s'appelle? C'est pas Santiago Rodriguez de New York City qui a fait un ou deux allers-retours avec Montevideo? Je crois qu'il y a une histoire aussi comme ça. Il a fait un aller-retour entre New York City et Montevideo, juste le temps de sauver un petit peu
que pour le coup, en Uruguay, si tu descends en D2, voilà quoi. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Il me semble que Santiago Rodriguez a fait un petit aller-retour le temps d'un tournoi du côté de Montevideo City. Donc voilà. Et André Bleck qui se saisit du ballon à Strasbourg. Tu penses que c'est un projet avec Chelsea comme Citigroup? Je pense qu'on va s'orienter vers des projets à la Citigroup. Où il va être juste question d'accumuler des joueurs un petit peu partout pour pas que les autres les aient. Tout simplement. Empêcher les autres de les avoir. Mais tu vois pas la... Je veux pas être méchant, mais elle est où la cohérence dans le recrutement de Strasbourg? Je veux dire, les deux Bordelais qu'ils ont pris, les mecs ne jouent même pas. Alors, bien sûr, tu les prends pas pour qu'ils soient titulaires, mais... Voilà, quoi. Les mecs jouent pas. Ça avance, Chris. Attends que l'Inter gagne l'US Open Cup. Contre Houston, hein, d'ailleurs, la finale, c'est cette semaine. Avec les grandes questions de savoir si Messi et Busquets seront là. Surtout Messi, d'ailleurs. Avec un Houston en grande forme, exactement. Mais on sait pas hein, si Messi sera là. Est-ce que ça bluffe? Peut-être. Devrait pas jouer ce week-end. Alors, pendant ce temps-là, 2-0 Atlanta. Et 2-1 TC. Je vais vous donner les buteurs dans un instant. Thiago Almada pour Atlanta. Pas très surprenant. Et Benteke qui s'offre un doublé. Campana portera encore l'équipe. Oui, Luca Toni, le Luca Toni équatorien. Incroyable comment il lui ressemble. Le drame pour les Messics s'il n'est pas là. Ah bah ce week-end, je pense. Ah ce week-end c'est sûr. Pour la finale il sera là. J'ai la poche, je quitte Atlanta-Montréal, il y a deux buts. je crois que Pierre a fait une offre pour Almada aussi, ouais. Faudra lui demander, s'il débarque dans le chat, n'hésitez pas à lui demander. Il va adorer en plus. Mais je crois qu'il a fait une offre. Oh, attention à ce ballon dans la profondeur, bien joué, dommage, la frappe pas cadrée derrière. Pour Michael Ouré, c'était bien joué. Hein. Et Gazdag qui avait joué dans le dos de la défense, qui n'était pas forcément incroyablement aligné. Almada, ça devrait pas le gêner, le contexte marseillais, il est habitué, lui. Ouais. Même s'il n'était plus là, hein, quand les supporters de Vélez ont frappé leurs joueurs. Mais bon. Il vient de fouetter Apache, hein, donc... Marseille, c'est Barbiland à côté. Hein. Pas sûr qu'il ait envie de retrouver ce type de contexte. Non. Mais après, ça va, c'est pas non plus... En tout cas, c'est bien pour attirer les joueurs quand tu vois l'entertainment que l'OM offre en plus en dehors que sur le terrain. Ça, c'est clair. C'est, en plus, c'est pas, tu vois, à la limite, c'est pas tant la Zumba. C'est surtout le gros bordel que tu vois en coulisses, en fait. Donc, si tu vois un club où c'est le vrai bazar en coulisses... Après, bon, on parle de Thiago Almada, argentin, qui vient de fuirter Apache. Bien, les supporters marseillais, bon. Oui, sportivement, ça va. On va attendre les premières défaites. Parce que quand tu vois déjà commencer à tanguer avec le match face au Pana,
Oui, Almada, il en a clairement vu d'autres, ça c'est clair. Après, c'est pas parce que t'en as vu d'autres que t'as envie de retrouver des parfums, tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Après, je pense surtout que l'OM a pas les moyens de faire venir Almada. Il passera pas devant Oliveira. On arrive mine de rien presque à la mi-temps. Gachardo et Almada qui arrivent et on est bon. Ouais, c'est ça. Bah écoute, faut en parler avec Pierre. Il faut savoir si les WhatsApp ont été vus, tu vois. Est-ce que la question c'est ça, hein. Sylvain d'Aubameyang à Laval, c'est bon. Là, le jour où Aubameyang arrive revient à Laval. Pas tout de suite, hein. Ouais, je sais qu'il y vient, mais. M'étonnerait qu'il y retourne. Ah, il a tenté la feinte de corps. La récupération Tillman. Murillo. On est côté droit. Dans la profondeur pour Oliveira, qui est le plus actif, hein, sur le front de l'attaque du LAFC. Ce ballon dans la profondeur va être trop compliqué. Ah, Blake, il a préféré ne pas prendre de risque. Il aurait peut-être pu se coucher dessus, André Blake, hein. Et retournera à Laval quand il aura 42 ans et du bide. Et encore, je suis même pas sûr. Siffle pas l'arbitre, hein. Ouf. Ballon pleine face. Ah, et la mauvaise passe derrière. De Carranza. Badji veut faire la CAN. Quelle sélection, Badji? Je m'en rappelle plus. Il est quoi, Badji? Il est malien, non? Sénégal? Ah oui, voilà. Ouais, ce ballon, non, ça va aller vers André Blake. Ah, je croyais qu'il était malien, tu vois. Ah oui, Sénégal, ça va être compliqué quand même de se faire une place. Ouais, t'as vu, hein, il a fait des tatouages avec sa. Il a fait un tatouage nasal. Un tatouage nasal avec sa tête. Aaron Long en même temps. Toujours entretenir la légende. Il nous a fait ça après 2 minutes de jeu. N'empêche qu'il a bien calmé Carranza, hein, du coup. Hein. Ouais, ballon dans la profondeur. Encore Oliveira. Mais là, c'est un 2 contre 4. Ouais, le ballon est pas précis. Il va se battre, mais le ballon va être perdu. Oh, un temps seulement. Bogush qui récupère, qui tente de jouer à l'opposé. Et c'est contré par Ariel. Ah, t'as pas vu l'action, Red de Rouge? Bah, 2 minutes de jeu, il lui a éclaté la tronche. Donc, Carranza a un tatouage rouge en haut du nez, là, ici, là. Et on va. Je suis pas convaincu qu'il soit 100%, 100% sur le terrain. Ouais, le truc rouge qu'il a sur le nez, c'est ça. C'est le tatouage Aaron Long. Palacios qui intercepte et qui va récupérer la touche. Je suis pas convaincu. 4 minutes de temps additionnel, ça correspond justement à la séance de tatouage. Mais oui, le truc rouge qu'il a sur le bord du nez. Je suis pas convaincu qu'il soit en super état, hein, Carranza, parce qu'on le voit qui grimace là. Voilà. En même temps, je sais pas si vous avez déjà pris un coup dans le nez, mais et je parle pas d'une consommation excessive d'alcool. Mais voilà. Bogush. Oui, Rudy. Ouais, ça fait horriblement mal, ouais. On est d'accord.
Et là, indépendamment de la douleur, vu comment ça saigne et tout, tu vois, il y a toujours le risque aussi d'un petit déplacement de cloison ou des trucs comme ça. Ouais, c'était très faible, Haïfa. Franchement. Après, Rennes a fait un match qu'il a maîtrisé. Donc, tu vois, c'est toujours pareil, en fait. C'est toujours la même question. T'as un adversaire qui est faible. D'accord, ça, c'est une certitude. On va pas non plus. Voilà. Mais c'est des matchs, ces matchs-là, faut savoir les maîtriser. Voilà. Ouh, attention à ce ballon. Deuxième poteau. Ah, oh, pourquoi il l'a remise ? Ah, il était hors jeu. Il était hors jeu. Mais voilà, ce match-là, faut savoir le maîtriser. Et Rennes l'a parfaitement maîtrisé pour le coup. Vraiment, du début à la fin, sans jamais se faire peur, en concédant rien. Tu vois, donc là pour le coup, voilà, c'est un vrai match maîtrisé. C'est facile après coup de dire ouais, l'adversaire était faible. Le nombre de fois où on a eu, où t'as vu des équipes françaises affronter un adversaire supposé faible et t'en sortir à l'arrache. Et tu vois, Rodolphe, tu dis l'an dernier, c'était meilleur Haïfa. C'était meilleur, sauf que tu vois, par exemple, le PSG qui aurait dû les éclater deux fois, les a pas éclatés deux fois et a perdu sa première place à cause de ça. C'est-à-dire que normalement, un PSG face à Haïfa, même si c'était soi-disant un cran au-dessus l'année dernière, je veux bien te croire, ils doivent en prendre une vraie dérouillée. Et ils l'ont pas prise. Ils ont pris 3-2, 5-2, je crois, l'année dernière. Et c'est ce qui leur coûte la première place au PSG la saison passée. Donc voilà. Ça doit faire 5-0, oui, voilà, c'est ça. Et ça le fait pas. Et derrière, tu pleures parce que Benfica, eux, leur en met 6 ou 7. Donc voilà, on va pas se plaindre quand un club français place un 3-0 net sans bavure. Il aurait pu en avoir beaucoup plus, hein, d'ailleurs, jeudi. À une équipe en Coupe d'Europe, voilà. En plus, on parle de Rennes, qui voilà, est en train de se construire, hein, son ADN européen, là, petit à petit, sur ses dernières saisons. Mais il n'en a pas non plus un grand héritage. La frappe et Crépeau qui intervient. Voilà, c'est ça. Comme Nice, qui était plus fort que Bâle, soi-disant. Exactement. Mais évidemment, Chris, mais c'est le PSG peut ne s'en vouloir qu'à lui-même l'année dernière. Mais pour se retrouver du bon côté du tableau. Mais voilà, Rennes a gagné son match 3-0. Moi, j'ai des souvenirs très récents. Hein, quand Rennes joue Astana, c'est galère. Hein. Donc voilà, quand il joue Jablonec en 2019, c'est pas évident non plus. Astana, je crois que ça fait 2-1. Jablonec, ça doit faire 2-0. Et match où par moment, tu te fais un peu peur. Donc... voilà. Là, t'as un match parfaitement maîtrisé. En plus, avec un effectif qui a bien... tu vois, il y a eu une bonne rotation de la part de Genesio et tout, machin. Franchement, nickel, rien à dire. 3-0 en Coupe d'Europe. Parfait. Très bien. Rennes peut finir premier ? Oui, bah, on verra. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps à Philadelphie, 0-0. Entre Philly et le LAFC, ils peuvent finir premier, mais bon, va falloir se déplacer. Hein. Va falloir se déplacer à Haïfa, je pense que ce sera une autre histoire. Va falloir se déplacer à Athènes pour jouer le Pana. Il va falloir... la première place, tu l'assures plus ou moins en déplacement. Hein. Donc, voilà. Et rappelle-toi, Rudy, que l'année dernière... l'année dernière, Rennes a eu plus qu'une fois son destin en main. Alors, on est hyper content parce que je vais vous mettre à jour les scores et vous allez kiffer. Si vous ne connaissez pas les scores, vous allez voir. Je suis en train de les mettre à jour et vous allez voir qu'on a vraiment le plus grand des bonheurs. Parce qu'on est à peu près, enfin on n'est pas à peu près, on est le seul match où il n'y a pas de but, hein, concrètement. Pour l'instant, voilà, j'ai mis à jour les résultats. C'est la folie pure hein, entre DC et New York. 3-2 pour DC à la mi-temps. 2-1 pour Atlanta face à Montréal. Les Montréalais sont revenus. Je vais vous donner les noms des buteurs quand même, ça serait bien. Ahmed Hamdi qui a réduit l'écart hein, pour Montréal juste avant la pause. 2 buts à 1 pour Atlanta. Cincinnati a ouvert le score. C'est pas encore la mi-temps entre DC et New York et ça devient n'importe quoi ce match. Alors attendez, on va y aller dans l'ordre. Barreal, dans les arrêts de jeu de la première période, permet à Cincy de virer en tête justement à la pause.
Benteke s'est offert un triplé avec un pénalty à 45 plus 2. Sauf que Harper a égalisé. Il y a 3-3 entre DC et New York, Rodolphe. Ah non, t'étais sur Atlanta. T'étais sur Atlanta-Montréal. Voilà. Voilà. 3-3 entre DC et New York. Et c'est, ça va être la mi-temps. C'est pas encore la mi-temps d'ailleurs. Je vérifie, non, c'est pas encore la mi-temps. Voilà. On est bien, nous. On est bien, 0-0. On est bien. On est sur le seul match où il n'y a pas de but. C'est magnifique. Mathias Almeida, c'est le futur coach de l'OM. Vous le savez avant tout le monde. Les pauvres. C'est là que se trouve la purge. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Hein. C'est terrible. Salut, Letko. On est sur le match, ouais, on a, parce qu'en plus on n'a pas eu full occasion, on va pas se mentir. Donc ouais, on n'a pas pour l'instant, voilà quoi. Voilà. Pour l'instant, c'est pas la fête. Hein. Je suis en train de vérifier. Ça y est, c'est la mi-temps entre DC et New York. 3 buts partout. Voilà. À la mi-temps. Incroyable. Incroyable. Bref. C'est la pause. Salut à Arklune qui vient d'arriver aussi à son tour. Il a réussi à battre le grand Brighton qui a terrorisé tout le monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sacré coup quand même, hein, la EK qui bat Brighton. On n'avait pas vu venir celle-là. Encore un peu plus de vent et le staff s'envole. Le stade s'envole, tu voulais dire, Chris. Ouais. Bref, alors on a des matchs de 2,5. Vous avez vu la liste tout à l'heure. Ça n'a pas démarré, hein, forcément. C'est la retransmission qui va démarrer. On a notamment un Dallas Columbus, forcément. Qui est forcément le match plus excitant de 2,5. Ouais, peut-être, on peut le dire comme ça. Chicago, New England, Dallas, Columbus, Kansas City, Houston. Et Minnesota contre Saint-Louis, ce sont les matchs de 2,5. Il y a des matchs encore après. Hein. Salt Lake, Vancouver à 3,30. Portland, Colorado à 4,30. San Jose, Nashville à 4,30 aussi. Et je le rappelle, le New York City, Toronto qui était prévu à 1h30 se jouera demain à 19h, heure française. Je sais pas s'il est... Il est gratuit sur le MLS Season Pass, donc voilà, vous pouvez vous faire de la MLS en prime time demain si vous voulez vous faire plaisir, tout simplement. Donc voilà. Je sais pas. Je sais pas, Arklune, ce qui s'est passé à DC. Je ne pourrais pas te l'expliquer. Je ne peux pas te l'expliquer. 3-3 à la mi-temps, 3-3 à la mi-temps, triplé de Benteke. Voilà, on a les stats de notre match. Expected goals 0-18 pour Philly, 0 pour le LAFC. 64% de possession pour Philadelphie, 3 tirs, aucun cadré. 36% de possession pour le LAFC, aucun tir. Voilà, on se régale. L'effet LO que j'ai lancé en disant qu'il n'y aurait pas de but, c'est ça. Mais alors par contre, nous on s'est lancé un super effet LO parce qu'on est en train de se faire le match le plus pourri de la soirée. Et voilà, magnifique. Magnifique, que du bonheur. Ouais, c'était incroyable le match. Je sais pas si vous l'avez regardé. J'imagine que Rudy, tu le dis, tu l'as regardé. Bouanga est en train de tuer mon Sorare. Tu l'as, Sorare, Bouanga? Ah, dis donc, vous avez les moyens, monsieur Letko. Parce qu'il est pas donné, le bonhomme. Alors, tuer mon Sorare, je peux t'assurer que j'en ai un petit paquet qui sont en train de tuer mon Sorare. Là, sur la soirée MLS. Donc, voilà. Genre, le 3-3... voilà. Le 3-3 est en train de flinguer ma championne America, si tu veux savoir. Parce que j'ai Alex Bono dans les buts. Donc, voilà, je suis mort. Je suis mort. Mais bon, c'est comme ça.
À ce rythme-là, tu vas streamer la deuxième mi-temps pour Turly. Alors, non, je vous ferai pas ça. En version common. Ah, en version common. Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Je l'ai aussi en common, je l'ai mis dans ma. En plus, je crois que je l'ai mis. Attends, je vais te dire. Je vais regarder. Je l'ai mis dans ma MLS amateur. Alors, c'est génial parce que j'ai Thiago Almada capitaine et il a déjà marqué, donc c'est cool. Mais sauf que Bouanga, pour l'instant, il joue pas. C'est Giakoumakis aussi, mais il joue pas. J'ai vu que Darlington Nagbe ne jouait pas, donc il me tue à 270. Et Bouanga, je l'ai mis ailleurs. Je sais pas si je l'ai pas mis dans une. Dans une 220. Ah non, je l'ai pas mis ailleurs. Oh. Je l'ai pas mis ailleurs. Non, j'ai pas regardé Brest. Avec Bono, je cherche un peu, Chris. Ah non, je peux t'assurer qu'avec Bono, je cherche pas. Quand j'ai vu que Tyler Miller s'était blessé, j'ai été l'acheter. Je l'ai pas payé trop cher. Et je sais pas si tu joues à Sorare, Chris, mais quand tu vas voir les notes de Bono, il me met bien depuis que je l'ai pris. Hein. Mais Bouanga, il va arriver, oui. Il va arriver, ça c'est sûr. Mais vraiment, pour le coup, je t'assure que Bono me met très bien. Et il fait ses scores. Si t'es un peu familier avec les scores Sorare, Chris, c'est son pire match là, hein, ce soir, pour dire les choses clairement, en termes de scoring. C'est son pire match parce que il était en. Sur son L5, parce qu'on ne va pas regarder le L15, il est à 60 hein, de L5. Hein. Donc bon. Voilà quoi. Il a fait 3 clean sheets. Hein. Donc il est arrivé. Quand est-ce qu'il est entré en jeu contre Philadelphie? Tu vois, il entre en jeu, il prend, ils en prennent 3, il fait 54. Et derrière, il fait 3 clean sheets. Donc là, ce soir, il en a pris 3. Donc la note, elle est dégueulasse. Mais. Oui, il n'a pas son émoticône, Miasga. C'est vrai que je ne me suis pas occupé des nouveaux émotes. Je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. T'as pris Miasga sur Sora. Waouh. C'est ton défenseur commun, Letko? Ouais, Celentano, c'est trop cher. Ouais. Ouais, Celentano, c'est beaucoup trop cher. Et pour te donner une idée, tu vois, pour te donner une idée. Alex Bono en jaune, hein, donc en limited, je l'ai acheté 10 balles. C'était pas trop mal. Là, il est à 15 à peu près. Il part à 14-15. Donc tu vois, déjà, si je le revends là, je fais une petite plus-value. Mais je peux regarder si tu veux Celentano. Mais Celentano, c'est hors de prix. Gardien titu de. C'est impossible. Alors, pour dire les choses, en plus, je l'aime pas ce gardien. Mais Celentano, il vaut 27. Non, 30, la carte la moins chère est à 33,80 parce qu'en plus c'est un U23 donc voilà. Donc voilà, mais c'est cher hein, un gardien généralement, c'est assez cher. Trauco, Almada, Fafa, Bonga, Gaïezé. Hein, pas mal. Ça c'est ta commande, pas mal. Va voir le but de Baréal, incroyable. Lequel Ah, sud. Mais Callender a pris une somme folle. Hein. Je vais aller regarder. Callender, il a pris. Il est cher aussi. Hein. J'avais acheté Guzan à l'époque où il était pas cher. Là, tu vois, par exemple, Callender, il est à 30 balles aussi. Et il y a un mois et demi, il valait moins, beaucoup moins. Enfin, il y a 2 mois, il valait. Avant la League's Cup, Callender, personne ne le prenait. Et moi, j'avais pris Guzan quand il était blessé. Parce que bon, comme ça, il n'était pas trop cher. Après, il n'a pas pris de valeur. Pas plus que ça, mais bon. Voire même pas du tout. Je ne sais même plus combien je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter 10 balles aussi. Et voilà. Mais les gardiens, c'est très cher. Forcément.
En amateur, t'es limité à 200 diamants, ouais. Tu veux que je te donne mon équipe amateur, Letko? Je vais te la donner. Où est-ce que je vais la trouver, là? Celle que j'ai mise ce week-end, elle est terrible. Mon équipe amateur ce week-end, c'est Callender, Robin Johnson, Almada, Bouanga, Giacoumakis. Voilà. J'attends l'entrée de Denis. Voilà. Elle a de la gueule hein, sur le papier, mais... C'est dur à comprendre, Sorare, quand il connaît rien. C'est pas trop la question que c'est dur à comprendre. Très honnêtement, Rudy, je te dirais que... Si t'as... Comment dirais-je ? Si t'as pas d'argent à perdre, n'y joue pas. Voilà, pour dire les choses très clairement. Si t'as pas de l'argent, beaucoup d'argent à perdre, enfin beaucoup, oui, si, beaucoup, parce que c'est quand même un gros budget, tu peux jouer maintenant en limited, c'est moins cher, parce que ça s'est complètement cassé la gueule, hein, pour dire les choses clairement. Moi, je suis arrivé à la pire période. Je suis arrivé en 2022, donc à l'époque où les cartes valaient des prix totalement dingues, et elles se sont toutes complètement cassées la gueule. Mais vraiment, vraiment, vraiment cassées la gueule. Facteur 10, voire 20, pour certains. Tu peux jouer gratuitement que les... Non, c'est pas comme les paris sportifs. Les paris sportifs, il y a un côté malsain dans le sens où ça peut jouer sur une petite addiction et sur cette petite notion du « Ah, j'ai mis 10 balles par-ci, 5 balles par-là, je peux me refaire. » Et tu continues de remettre dans ta cagnotte, tu vois. Même s'il y a un côté malsain avec Sorare dans le côté « Ah, tiens, je vais acheter une carte là, machin. » Mais en fait, il faut être assez fort pour définir ta stratégie et dire ce que tu veux jouer exactement parce qu'il y a plusieurs types de championnats et tout. Et vraiment, pour le coup, faut pas essayer de trop diversifier ses équipes si tu n'as pas les moyens. Mais c'est un peu plus accessible en termes d'argent maintenant, pour dire les choses clairement. Mais il faut vraiment avoir que de l'argent à perdre parce que tu ne gagneras pas d'argent avec Sorare. Ce n'est pas vrai. C'est de la... Bah, après, tu as deux moyens d'y jouer, Red. Tu as ceux qui spéculent. Donc, tu as ceux qui font que de l'achat-revente, qui ne jouent pas en fait. Dans le sens, tu vois, qu'ils ne font pas construire une équipe pour aller faire des classements ou des machins. Ils font que spéculer sur des joueurs. Donc ça, c'est l'aspect boursier. Et tu as ceux qui jouent, qui essayent de gagner des cartes, qui essayent de remporter des classements, prendre des paliers, des trucs comme ça. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Parce que bon, je t'avoue que les plus-values, j'en ai pas. Si, quelquefois, j'ai fait des coups, mais bon, pas de quoi m'enrichir non plus. Et en plus, ce que je disais tout à l'heure, je suis arrivé à la pire période. Je suis arrivé en mars-avril 2022, donc à l'époque où... l'exemple que tout le monde donne, hein, c'est Kimmich qui valait plus de 2000 euros en jaune, qui en vaut maintenant à peine 200, quoi, tu vois. Et moi, à peu près mes cartes, c'est ce qui s'est passé. Donc tu as acheté des cartes 200, 300, 400 balles, et aujourd'hui, elles valent 20 balles, quoi. Donc voilà. Essaye de gagner des cartes sans mettre un centime. C'est ce que fait le petit, et il y arrive. C'est compliqué, hein, mais il y arrive un peu. Pas beaucoup, mais il y arrive un peu. Mais tu vivotes, après ça te permet de jouer et tu peux vraiment jouer de manière gratuite. Et là, pour le coup, t'emmerdes pas, joue gratuitement. Et c'est un... Rudy, si tu veux t'y mettre. En fait, voilà, tu peux jouer gratuitement, vraiment. Tu peux vraiment jouer plusieurs ligues gratuitement. Voilà, il faut des points de fou. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, Letko. Maintenant, ça devient complètement indécent. Mais c'est gratuit, donc tu t'en fous. Et tu peux aller gratter des cartes. Brian Gutierrez, je l'ai, Chris. Faut se limiter pour pas trop dépenser. Ouais, faut vraiment définir une stratégie et pas se laisser embarquer par le côté. Tu vois, des fois, tu essayes de jouer des oui. Moi, je l'ai fait, hein, ce défaut-là. Alors, j'ai pas remis d'argent. Tu vois, depuis, j'ai mis beaucoup au départ, mais j'ai pas remis d'argent. Et j'en ai jamais remis depuis. J'ai mis beaucoup, beaucoup au départ et j'en ai pas remis. Et de toute façon, cet argent-là est perdu. Hein, voilà. Eh, les gars, il est là, Bouanga. Il est là, le Denis. Et donc voilà, mais tu peux jouer gratuitement vraiment. Et en Ligue 1 pour l'instant, de toute façon, le truc va être complètement refait là parce qu'ils n'ont pas encore mis à jour les trucs pour la après les changements. Ils sont en train de refaire les équipes common en fait, on va dire, hein, les cartes blanches. Concrètement, c'est reparti. On va se remettre en mode. En mode deuxième mi-temps. Et on va continuer à en parler si tu veux. J'ai pas mis mon 7.
Voilà, tranquille. En Ligue 1, j'ai... je sais plus. Je crois que j'ai Matt Sells dans les buts, ce qui est pas dingue. J'ai pas refait l'équipe parce que de toute façon, ça va être à refaire. J'ai Matt Sells, j'ai Assignon, Lefebvre, Mbappé. Et là, ce week-end, j'ai fait Sells, Assignon, Lefebvre, Mbappé ou Unai. Mais je m'en fous un peu. En fait, franchement, je les joue pas trop, les blanches. Enfin, le truc gratuit, je les joue pas trop. Je m'en fous un peu, en fait. Mogo, Taibi, Bourigeau, Mbappé, Mohamed. C'est pas mal, ça, Letko. C'est pas mal. Mais voilà, mais joue gratuitement, vraiment, si t'as envie, joue comme ça, joue gratuitement. Et si tu veux mettre un jour de l'argent dedans, déjà, n'en mets pas trop. Surtout si t'en as pas trop, machin. Et est-ce que... Et l'argument du plus tu dépenses, plus t'es gagnant s'en saura, j'ai envie de te dire pas forcément. Il faut faire très attention, et je sais, en plus je sais de qui je parle, parce qu'il y en a un qui est un ami, donc voilà. Très attention à ce que tu vois des gains de certains streamers. Notamment parce que c'est aussi des gens qui ça sent pas bon pour Aaron Lang, ce sont aussi des gens qui ont eu le flair au bon moment, c'est-à-dire qui sont arrivés à la bonne période. Par exemple, je pense à mon pote Jordan qui lui est arrivé au tout début de Sorar, donc à l'époque où les cartes étaient j'ai presque envie de dire presque au prix de maintenant, et ont pris une valeur complètement dingue. Donc lui, il s'est fait des galeries à une galerie totalement mais monstrueuse maintenant. Et donc oui, tu le vois gagner, mais faut voir la galerie qu'il a. C'est une galerie à 6 chiffres, donc en termes de en euros, hein. Donc voilà, mais il se l'est construite sans mettre les 6 chiffres, si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, ça serait pas possible de partir là maintenant et d'arriver à la galerie qu'il a lui sans justement mettre les 6 chiffres, tu vois. Et je sais que Jordan l'a pas mis, il l'a expliqué sur Twitter d'ailleurs, hein, combien il a mis au départ, combien il a misé dans Sorar et combien il a gagné. Donc oui, il a gagné beaucoup parce qu'il a eu le flair d'arriver au bon moment, mais ce que lui a gagné parce qu'il est arrivé au bon moment, c'est juste plus possible maintenant. Vraiment, je pense, et je le pense très sincèrement. Tu peux pas arriver aujourd'hui, mettre 10, 20 000 euros et te dire je vais gagner, je vais multiplier par 10. C'est pas possible. Je suis convaincu que ce n'est pas possible. Donc voilà. Oh, bien joué ça. Bien joué. Attention à Mickaël Ouré et le ballon récupéré. Bogush, le contre à venir. Bogush, un dribble, deux dribbles, ça passe. Et il a porté un peu trop son ballon. Donc voilà, mais essaye de jouer gratuitement, Rudy, vraiment. Mais après, c'est... j'avoue que très franchement, c'est pas le jeu sur lequel je pousserai les gens à aller. Voilà. Sauf si t'as vraiment... si t'as des sous qui ne te serviront pas. En fait, il faut que tu considères que cet argent-là est perdu. L'argent que tu vas mettre dans Sora, il est perdu. Voilà. Mais tu peux t'amuser en gratuit, hein. Mon fils joue en gratuit. En PL, Martinez, Saliba, Mitoma, Haaland, Son. C'est pas mal ça. Mais tu peux jouer en gratuit sur Sora, Rudy, et tu vas t'amuser. Moi, j'y joue pas, je connais pas comme site. Ouais, non, mais c'est très bien aussi. Enfin, il n'y a pas de. Voilà. C'est très bien de pas y jouer aussi. Voilà. Comme je disais, je l'ai toujours dit, hein, Sora, c'est un sport de riche. Voilà. Et tu vois, même sur le côté... parce que si tu regardes bien, par exemple, même ceux qui gagnent des gros trucs, tu t'aperçois que par rapport à l'investissement que ça représente, les gains sont pas dingues. Maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, bon. Voilà. Il y a l'histoire des paliers qui peut être intéressant, mais franchement, pour aller chercher les paliers... Voilà. Donc, j'avoue que j'inviterai pas les gens à aller jouer à Sora. Oh, bien joué. Oh ! Oh, magnifique ! L'ouverture du score ! Je crois que c'est Gazdag hein, qui a suivi. Ouais. Magnifique. Alors, j'attends de savoir qui nous a fait la frappe en pivot. Je sais pas si c'est pas Carranza. Je pars sur un autre match, les buts. Alors, merci, Rodolphe. Magnifique. Magnifique, cette action. Avec le centre de Kai Wagner. La récupération en pivot.
sur la barre. Qui c'est qui fait ce pivot là? Mais c'est Baribou qui est entré à la place de Carranza, justement. Pour ça que j'avais un doute. Je ne reconnaissais pas. Alors attention, il y a VAR. Hein. On va peut-être pas trop s'enflammer, il y a VAR. Je ne sais pas pourquoi. 3-1 pour Atlanta pendant ce temps-là face à Montréal. Avec un but de Giakoumakis. Merci. Et hors-jeu. Le but ne sera pas accepté. Hors-jeu ici. Et il y a eu un but pendant ce temps-là du côté du Sporting Kansas aussi, c'est ce que j'étais en train de regarder. 1-0 face à Houston. Je vais essayer d'aller voir qui est le buteur. Je vais faire ça, les choses bien quand même. On va enlever les petits chronos. Parce que c'est parti sur les matchs de 2,5. Et 2-0 hein, pour Cincy face à Charlotte. Ça presse encore à nouveau pour Philadelphie. On n'obtiendra pas le corner. Non. But de Russell pour Kansas City face à Houston. Et c'est Boupenza, ancien des Girondins. J'arrête pas de la dire, celle-là. Alors qu'il n'a jamais joué avec l'équipe première, mais il est passé par les Girondins. Aaron Boupenza. Et ça fait donc 2-0. Ça va être compliqué de lancer le double chrono. Il me manque Boupenza. Bah non, non, mais après je suis content pour lui de voir que voilà, ça marche. Voilà. Oh, il a tenté d'y aller à l'épaule face à Murillo. Ouré, c'était compliqué. Ancien de telle ou telle équipe, ça fait tellement commentateur télé. Eh oh, c'était mon métier, mec. Ça a été, ça l'est encore. Hein. Mais bon, même si je commente plus là en ce moment, mais... C'est extraordinaire, il nous passe la statistique. Wagner, Kai Wagner, 37 passes décisives en MLS depuis 2019. Personne n'a fait mieux, sauf que bah il en a pas fait ce soir. Hein. Et que même s'il y avait eu sur le but, c'était pas une passe des formations professionnelles. C'est ça. Non, et puis en plus, ça me fait plaisir de dire ancien des Girondins. Tu vois, si je peux glisser un peu de Girondins dans mes commentaires, c'est toujours un plaisir. Tant qu'on parle pas de Gérard Lopez, ça ira. Oh, Bouanga, allez, hop, c'est passé. Il a été repris derrière. D'ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose. Par rapport à mon chronomètre, je vais vous mettre le petit logo deuxième mi-temps. Donc là, vous saurez que ce chrono, c'est la deuxième mi-temps des matchs qui sont tout en haut, hein, des matchs d'une heure et demie. Ancien des Bordeaux-Girondins. Non, non, ancien des Girondins de Bordeaux, lui. Allez, c'est Philly hein, qui a le ballon encore, hein, parce qu'ils avaient déjà le ballon en première période, on a vu les stats à la mi-temps. Ouais, la vraie équipe, exactement. Celle qui est invaincue contre face à l'OM. Et
Et Aaron Long. Il y a 2-3 roulettes de Murillo qui fait des petites roulettes. Et derrière, il donne la balle à Aaron Long qui envoie un long parpaing pour la rendre. Bah, toujours invaincu, Chris. Les Girondins de Bordeaux sont toujours invaincus à domicile contre l'OM. Bordeaux-Girondins, non, mais... Girondins de Bordeaux, oui. Oh, bien joué, ça. Allez, le ballon dans la profondeur. Ah, non, ça va être perdu. Eh, on fait comme on peut, avec un petit peu de mauvaise foi, on arrive à gagner avec des statistiques. Hein. Franchement, hein, c'est l'idée. Hein. Donc, je passe mon temps à dire que, de mon vivant, je n'ai jamais vu... Je n'ai jamais vu les Girondins de Bordeaux perdre contre l'OM à domicile. Ouais, ça commence à jouer là. Ça accélère, ça commence à jouer, c'est intéressant. Il y a un peu de profondeur qui est cherchée là avec Baribo justement. Et Crépeau qui est intervenu. Tillman. Non, les Bordeaux-Girondins, ça n'a pas gagné contre grand monde. Hein. Ouh, je croyais qu'il allait passer ce ballon vers Denis Bouanga. Ah, le Bordeaux-Girondin, ça a tué tout le monde, hein, Rodolphe. Je te rassure. Le truc, c'est que je pense que même les supporters qui détestent... Enfin, tu vois, les gens qui détestent Bordeaux, je pense que pour le coup, il y a eu de la compassion quand ils nous ont sorti ce truc dégueulasse. Ou bien joué ce ballon dans la profondeur. Je sais pas s'il y avait hors-jeu. On verra après le centre. Ouh, Murillo, bien joué. Et il y avait hors-jeu. Ah bah tu peux pas enlever à GG sa capacité à être un très bon sur l'aspect communication, donc ouais il est hors jeu de 15 mètres. Mais tu vois on est allé au bout de l'action alors que pff, voilà. Le fait d'aller au bout de l'action ça entretient toujours un peu le doute. C'est terrible hein mais... Et en fait tu vois le ralenti, tu fais ah ouais d'accord. Quatre hors jeu à 0 hein, pour Philadelphie qui domine dans tous les domaines. Ouais, Bouanga, il va passer. Avec Oliveira, s'il joue dans l'axe, Oliveira, mais il s'applique pas. À vous, tu rigoleras bien quand Kita nommera Nantes en Nantes Canary. Peut-être. Et il y a déjà 1-1 entre Chicago et New England. But de Shankalai et égalisation du GOAT. De l'autre GOAT de la soirée. Le petit Brian, comme dit Chris. Oui, attention à ce ballon qui navigue dans la surface. Ça va revenir avec la frappe dans l'arrière. Ne sera pas cadré cette frappe d'Ariel. Et Crépo va pouvoir allonger pour le LAFC. Et rendre la balle tout de suite à Philadelphie. Tillman. On a du mal hein, quand même, hein, côté LAFC. Ballon rendu à Philly. Brian Gutierrez qui d'ailleurs, hein, on parlait de Sorare tout à l'heure, est pas très cher à hein, Sorare. Hein.
Moi, je l'avais acheté, il coûtait 7 balles, je crois, à l'époque. Et maintenant, il doit être à 2, 3, 3, 4 balles. Donnez-moi des buts par pitié. Bah, attends, on est sur le sol où il n'y a rien, quoi. C'est horrible. Il reste une demi-heure. Hein. Et allez, ça allonge. C'est fou parce que les LAFC et Philadelphie sont des matchs toujours assez spectaculaires. Je vais vous donner quand même parce que... Faut que je vende le produit. Faut que je vende le produit. C'est ce qu'on t'explique, tu vois, quand tu commandes des matchs. Faut, voilà, faut savoir vendre le produit. Donc, je vais vous vendre le produit. Je vais vous vendre le produit à base de statistiques exceptionnelles, hein, forcément. Tac, je vais aller juste là. Et je vais vous donner les scores des derniers, quand même, pour que vous ayez une idée de la chose, quand même. Ça s'est joué en Champions League. 3-0 pour le LAFC, au retour 1-1 à l'aller. Il y a eu la finale MLS l'année dernière, 3-3. Et les matchs de saison, le match de saison régulière l'année dernière, ça avait fait 2-2. En 2020, ça a fait 3-3 en MLS. En 2019, ça a fait 1-1. En 2018, 4-1 pour le LAFC. Voilà, il y a toujours des buts. Il y a toujours eu des buts. Il n'y a jamais eu un seul 0-0 dans ce duel. Alors bon, quand même. Elle a déjà fait nul contre Saint-Louis cette semaine. C'est pas gagné pour nous le vendre. Ouais, je fais ce que je peux. Hein. Je fais ce que je peux. Mais il y a Bouanga. Regarde, il y a Denis Bouanga qui récupère ce ballon, qui tente le sombrero. Ça passera pas, si, peut-être. Ouh, et André Blake qui est arrivé. Vends-nous du vent. Tu vas le vendre 300$? Ouais, je pense pas. Déjà, si je le vends 15 ou 20 balles, je serais heureux. Ça, c'est le genre de plus-value que je fais, moi, à Sora. Concrètement. J'arrive à gagner 2 euros par-ci, 2 euros par-là, et encore au max. Hein. Et ça compense pas les pertes que j'ai. Hein, donc, voilà. Ah, y a faute d'Acosta. Est-ce qu'il pleuvait et qu'il y avait du vent pendant la prise de ses stats? Non. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Kai Wagner. Après, Philly fait ce qu'il faut. Hein. Le LAFC ne montre rien, mais Philadelphia fait ce qu'il faut. Pour essayer justement de percer la muraille. On est quand même loin hein, du LAFC dominateur qui roule au compresseur de début de saison, hein, par exemple. On en est très très loin. Hein. T'es parti sur Minnesota Saint-Louis, Rodolphe? Ah, tu verras des buts là. Pas sûr. Pas sûr. 4 à 3 pour New York. Doublé Domir Fernandez. Incroyable. C'est n'importe quoi. On a un doublé Domir Fernandez. On a un but et une passe D pour Cameron Harper. Et là, à l'instant. C'est Sean Nillis qui vient de marquer. Donc ça fait 4 à 3. Ce match, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est le match qui aurait, qui sentait le 0-0, mais à 20 km. Et ce match, c'est n'importe quoi. Voilà, on va dire les choses clairement. Et Columbus vient d'ouvrir le score à Dallas. J'ai pas encore lit. Et c'est un contre-son, un CSC de Tafari. Donc 1-0 pour Columbus à Dallas. Putain, vous allez voir qu'on va être le seul stade où il n'y aura pas un but. C'est la grosse affiche et on va être le seul stade où il n'y a pas un but. Je sais pas si la défaite en LDC a cassé un truc. Il y a eu un coup de mou, Arklund, ouais, ça on est d'accord. Et après, on peut pas non plus... comment dirais-je ? Ouais, attention à ce ballon dans la profondeur, peut-être. Ouais, ça va être compliqué pour Bonga. Il y a eu un effet, mais il y a eu aussi les transferts derrière. Il y a eu le mercato. Tu perds Cifuentes au milieu, qui était l'un de tes joueurs clés. C'est con à dire, mais tu fais partir Opoku, qui était un joueur important dans ton système offensif. Vela, il a un match sur 12. Et t'as plus que Bouanga qui te tient à bout de bras, quoi.
Donc, il y a l'effet fatigue aussi. Et en fait, tu te retrouves avec une équipe, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, franchement, au coup d'envoi, le trio offensif, c'était 20, 21, 22 ans. Moyenne d'âge 21, donc. Mais, donc, ça compte aussi, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs. Ouais, Tillman a disparu. Après, Tillman, quand il y avait Sifu, il jouait pas, hein. Il jouait beaucoup moins quand il y avait Sifu. Ouh, ça a tenté de retourner là. Aaron Long a tenté de retourner, hein. Je crois que c'est Aaron Long qui a tenté de retourner. J'ai bugué, mais. Mais oui, c'est ça. Après, il y a l'effet fatigue. Ouais, c'est Aaron Long qui a tenté de retourner. Bref. Et il y a peut-être un contre-coup de fatigue et tout, même si tu vois, par exemple, les autres, ils ont enchaîné la Leagues Cup. Eux, non. Voilà. Ils n'ont pas fait la phase de groupe de la Leagues Cup, par exemple. Donc, ils ont soufflé un peu à ce moment-là. Donc, il y a un ressort qui s'est un petit peu cassé avec la Champions, ça, c'est sûr. Et puis, il y a eu bah, ce qu'on pourrait appeler une politique sportive qui fait que. Bah, des joueurs importants n'ont pas été remplacés. Pour l'instant. Et que ça va demander du temps parce que les joueurs qui sont arrivés sont aussi des jeunes joueurs. Donc voilà. T'as le voilà, Tillman. Avec Bouanga. Avec Oliveira. Tillman, Bouanga. Bouanga qui tente de passer mais qui est pris. La remontada qu'ils prennent par les Rayados. Oui. Bon, là, c'est en train de pleuvoir sévère, hein, quand même. Ouais, l'équipe va rentrer dans le rang, je sais pas. Ça reste quand même une grosse. Une vraie belle équipe. Hein. On verra en mode. Et tu vois, très franchement, on pourrait aussi, par exemple, se dire, et le, on va le dire même, qu'ils sont en train de commencer à arriver en mode playoff, tu vois. Et franchement, défensivement, ça concède pas grand-chose, hein. Alors la contrepartie, c'est qu'offensivement, c'est un peu compliqué. Même si attention, parce que t'as un joueur comme Bouanga qui traîne, qui peut faire mal. Mais on va entrer dans un mode coupe, on va entrer dans un autre type de compétition. Donc attention, c'est en train on est en train de changer. Et vraiment, si vous n'êtes pas habitué à la MLS, c'est vraiment quand les playoffs vont démarrer, ça va être autre chose. Ça va vraiment être autre chose. C'est exactement ça. Rodolphe. Et on est sur un autre type de compétition et ils sont en train de glisser tranquillement. On va rappeler aussi que c'est le troisième match de la semaine. Donc voilà, tu gères, ça commence à gérer, ça commence à calculer. Il y a une période en MLS où personne calcule. Et donc là ça peut te donner parfois des scénarios assez fous. Même s'il y a une équipe, il y a un match où ce soir ça calcule pas, hein, c'est DC contre New York. Mais voilà, tu as ce côté-là et. Voilà, et ça va être, bah, c'est ce que tu dis Chris, mais ça va être la grande question de savoir comment Saint-Louis va gérer les playoffs. Parce que Saint-Louis, sur la saison régulière, a fait une magnifique saison. Mais maintenant, on va passer en mode coupe. Et en mode coupe, ça va être autre chose. C'est comme dans les autres sports à playoffs, voilà. Hein. Tu gagnes tes playoffs avec une meilleure défense. Et pas forcément avec la meilleure attaque. Surtout que ce seront leurs premiers. Ça, bah ouais, c'est assez. Il y a un aspect expérience qu'ils n'auront pas à Saint-Louis. Après, ils ont un avantage, Saint-Louis, c'est que chez eux, ils sont très très durs à jouer. Ou pas mal la touche là. Mais le LAFC, c'est une machine à coupe. Philly est très très chiant en mode coupe aussi. Hein. Attention. Hein. Et il y a des équipes qui sont des équipes à accident. Tu vois, il y a une équipe. Que, à titre personnel, j'aime beaucoup, c'est Columbus. Parce que Wilfried Nancy, voilà, je suis fan. Mais et la façon dont, voilà. Mais le problème de Columbus, pour l'instant, c'est que il y a un degré d'irrégularité qui fait qu'en playoff, tu te dis, il y a un moment où ça peut coincer. Et ça peut leur coûter cher, cette espèce de folie par moment qui fait qu'ils ont des matchs assez spectaculaires ou tu vois, des matchs qui sont. Le nombre de matchs où on les a vus rouler sur l'adversaire et finalement s'imposer à l'arrache ou de peu, en playoff, ça marchera pas comme ça. Ça passera pas. Donc, voilà.
c'est une autre compète qui va démarrer. Et il y a des équipes qui sont en train de tranquillement commencer à s'y préparer, à glisser vers ça. Donc Philadelphie, qu'on voit ce soir, est qualifiée. Donc voilà. Et le LAFC va y aller. Hein. Et attention, parce que vous voyez, Ilié Sanchez qui entre. Carlos Vela qui entre aussi. Donc voilà, on est en train de remettre un petit peu ça. On est dans cette gestion d'effectifs. Donc voilà, Christian Oliveira qui sort. Il a fait un bon match. Hein. Et je crois que c'est Tillman hein, qui sort. Non, c'est Acosta. Acosta qui sort. Et Tillman. Et on fait entrer Vela et Ilié Sanchez. Voilà, Vela qui vient de prendre le brassard que Diego Palacios lui remet. En plus, à l'ouest, ils vont être tranquilles. Ouais, c'est ça. Rien que pendant la Cup, Saint-Louis, ça a été assez compliqué. Exactement. Et ça peut leur donner une certaine expérience. Mais voilà, il y a des... Voilà. Il y a des équipes qui vont être compliquées à jouer. Et franchement, s'ils se qualifient, l'Inter Miami va être compliqué à jouer en Cup. En play-off. Et ça va être toute la question. Tu vois, par exemple, un Cincinnati qui roule sur la MLS... Comment ils vont gérer les playoffs? Mais ouais. Après, tu vois, l'Ouest, ils vont être tranquilles pendant que l'Est s'entretue. La moitié de l'Est est connue. Hein. Alors qu'à l'Ouest, c'est loin d'être fait. Hein. Il n'y a que Saint-Louis pour l'instant. Donc, tu vois, la peur du vide, elle existe hein, pour beaucoup plus à l'Ouest qu'à l'Est. À l'Est, parce que par exemple, Atlanta et Nashville, ils vont y aller. Sauf s'il y a un cataclysme atomique, mais ils vont y aller. En plus, Atlanta, là, est en train de tranquillement avancer. Et donc, de continuer à creuser l'écart, ils vont y aller. Mais, voilà. Donc, ça va se jouer avec les équipes qui vont jouer les barrages, en fait, concrètement, à l'Est. Parce que là, on est en train de parler de... On en a 4 qui sont déjà devant. On est en train de mettre 5-6 quasiment dans la barque. Voilà. Il va rester 7-8-9. Donc, ça va se battre pour les premiers tours de playoff. Mais les gros bras de l'Est, ils sont déjà là. Tandis qu'à l'Ouest, il peut y avoir des accidents. Et on sait que dans les dernières journées d'une course au playoff, il y a toujours des accidents. Donc attention, même si, bon voilà, m'étonnerait quand même que la LAFC n'y soit pas. Mais il y a un monde où c'est possible. C'est compliqué ce monde-là, mais... Et là, ça commence à aller un petit peu mieux hein, pour le LAFC, mine de rien. Ouais, ça semble mal barré pour Austin, ouais. Puis Austin, c'est compliqué cette saison. Hein. Elle est vraiment compliquée cette saison. Non, non, on n'enterre pas l'impact, Red. Non, non, on les enterre pas. Après, ouais, c'est compliqué ce ballon vers Vela. Eux vont être dans la lutte jusqu'au bout. Vela, Bouanga, en retrait. La frappe de Bogush, elle est contrée, corner. Ça va mieux, là. Je veux pas un effet LO de l'espace. Non, mais sur le LAFC quand même. J'avais regardé leur calendrier et ça va. Je crois qu'en plus, le calendrier du LAFC, ça va. Corner pour le LAFC, justement. Attention vers le deuxième poteau. C'est dans les bras d'André Blake. Alors, si vous voulez savoir, je peux vous faire un point Argentine. On est à l'heure de jeu bientôt. Raca mène 2-0 face à Vélez. Et surprise, Central Cordoba mène 2-0 face à Defensa y Justicia. Je n'ai pas regardé les compos, mais à mon avis, Defensa y Justicia avant sa demi-finale de Sudamericana, ça doit être l'équipe Z. Sinon, pour en revenir à ce qu'on disait, hop, on va aller regarder ici. Et je crois que le calendrier du LAFC, il est pas terrible. Hein. Alors, ils ont un match à la con face à Tigres en Campeones Cup là, en milieu de semaine. Et ensuite, ils reçoivent le Real Salt Lake. Ils reçoivent Minnesota. Ils vont à Austin. Et ils finissent contre les Whitecaps. Voilà. Sergi Palencia qui entre. Ah, et la caméra. Il y a une caméra pour laquelle c'est très compliqué la fin de match, avec la pluie qui est tombée.
Sergi Palencia. Est-ce que je vous dis la phrase? Ancien des Girondins de Bordeaux. Pas facile celle-là. Mais oui, messieurs, dames. Je sais pas si tout le monde l'avait, ça aurait peut-être pu être un quiz lucarne opposé celle-là. Il faut 41 points pour se qualifier en playoff. Et ouais. Sergi Palencia, Bordeaux et Saint-Étienne derrière. Ça a joué à Saint-Étienne aussi. Ouais, 41, ouais, ouais, tu vois, ils l'ont. Hein. C'est bon. Ils en ont 45. Hein. Ouh, le ballon dans la profondeur. Pour Tillman. Alors, faut pas qu'il l'oublie quand même, ce ballon. Et on va gratter une touche. Côté Timothy Tillman. Bah, avant Saint-Étienne, il est à Bordeaux. Quand il arrive en France, c'est à Bordeaux. Ça doit être 2018, je crois. C'était une bonne question de quiz, hein, parce qu'il a pas marqué les esprits. Il a joué, hein, il a fait son paquet de matchs. Hein. On a du mal à sortir du coin. Entre Vela et Palencia, justement. La question quiz pour l'anniversaire de Hello. Ouais, mais bon, comme je l'ai posé là, je la poserai pas au quiz Hello. Je la poserai pas. Ce sera le 4 décembre. Hein. Ça sera un lundi soir. Ou alors, c'est la question pour ceux qui sont là à 3h17 du matin en mois de septembre. Ouais, c'est pas faux, Chris. Ah, elle sera peut-être posée, alors. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il faut récompenser la fidélité. Je glisserai... Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Je prends les conseils. C'est pas mal. Je peux glisser des spéciales fidèles. C'est vrai. Et ça, je le ferai probablement même. On peut parler de Glidden, de choses comme ça, quoi. J'aurais déjà 2 points d'avance comme ça. C'est laquelle de Pachuca déjà, Chris? Mais ouais, on va... On mettra peut-être... Ah, la Sudamericana. Ouais, mais c'est facile, ça. 3 points d'avance pour Chris. As-tu te posé la question, Chris, si McGlynn était sur le terrain? Il vient de sortir. Ah, celle-là, elle peut tomber, ouais. Elle peut tomber, celle-là, Red le Rouge. Avec l'audio, bien sûr. Elle peut tomber, celle-là. Et pendant ce temps-là, Lucho Acosta célèbre sa prolongation de contrat avec Cincy avec un but 3-0. Et l'entrée de Chris Donovan à la place de Michael Ouré. Pour quel match le goal des abonnements fait-il référence? Ah, en plus, il est piégeux celui-là. Parce que soit on parle des abonnements, soit on parle des follow, c'est pas le même. Il est clutch, Donovan. Ouais.
C'est pas lui qui rate un but tout fait en X-Cup. Ça va un peu mieux quand même hein, pour le LAFC qui récupère des ballons. Attention à ce ballon dans la profondeur. Justement, on a cherché en une touche à aller trouver Vela. Bogush qui va passer, non. Repris par Ariel. La récupération, Ilié Sanchez. C'est lui qui met le but dans le temps additionnel, oui. Mais... oui. Mais attention à ce ballon avec Sanchez qui avait fait main. Ouais, ça récupère un peu plus haut côté LFC. Faut bien des questions pièges, sinon c'est pas drôle. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il y en aura, je pense. Hein. Il y en aura qui seront un petit peu plus pointus quand même. On va glisser des trucs un peu pointus, je pense. Je pense qu'on ira sur un truc un peu crescendo, tu vois. Il n'est pas encore écrit, hein, le quiz, mais... ça mûrit, mais... on va essayer de mélanger un peu tout, mais on mettra peut-être des trucs un petit peu... voilà. Faudra bien des questions un peu clutch, tu vois. Pour justement s'il y a des crises de Novan. Queen Sullivan, il est nul. Voilà, ça j'aime bien ce genre de phrase. J'ai l'impression d'entendre mon fils. Bon, lui, il est nul. Amraoui est à l'América? Sérieux? Ah bah dis donc, je l'avais pas vu passer ça. On va lui espérer un meilleur destin que Jérémy Ménez. La main de Tillman. Allez, est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose dans les 7 minutes qui restent dans ce match? Ballon dans la profondeur de Kai Wagner. Et Murillo qui intervient. La récupération, non, j'allais dire pour Vela, mais non. Surveiller un petit peu les scores, ça ne bouge plus. Égalisation de Dallas, si ça a bougé, égalisation de Dallas. Elle est signée Jader O'Brien. Heureusement qu'il y a Minnesota Saint-Louis pour faire 0-0, mais bon, eux, il va leur rester une mi-temps derrière Krastev qui va entrer. À la place de Tillman. L'impression de faire un live K-League avec un 0-0 sous la pluie. Allez, Kai Wagner. Ah, il va être perdu ce ballon. Il va être perdu. Non, ça va. Un live water polo. Presque. Putain, je sais pas si vous avez vu les images du Gangwon John Book. Waouh. C'était quelque chose quand même. Elliot avec Kai Wagner. Attention au pied gauche de Kai Wagner qui va aller chercher le deuxième poteau. On s'est un petit peu percuté. Du côté d'Alejandro Bedoya.
Et de Maldonado, ça va se relever. Alejandro Bedoya, ancien de Nantes. Puisqu'on fait ancien 2, hein, on continue. Allez, Maxime Crépeau. Qui envoie un long ballon vers l'avant. Mi-temps et toujours pas de but à me mettre sous la dent. Bon, après, je t'avoue que... Oh, bien joué. Oh, bien joué. Avec Vela qui arrive pas à enlever ce... Bah, emmener ce ballon sur cette passe de Palacios. Ouh, attention au bras. Ouais, va y avoir faute. Pour Quinn Sullivan, je me permets, je le suis avec les U23. Il a même... Il a pas le niveau même là-bas. Maldonado, en tout cas, en ce moment, il prend. Il a pris... un coup derrière la tête avec Bedoya tout à l'heure. Il vient de prendre un coup de coude sur l'autre face. C'est-à-dire là, pour le coup, pleine face. Et attention au bon coup franc à venir peut-être. Enfin, bon coup franc excentré, mais coup franc quand même intéressant pour le LAFC. On a joué vite sur le côté gauche. Bouanga. Bouanga qui entre dans la surface, qui tente l'extérieur, qui réclame un penalty. Il réclame une main, hein, pour dire les choses. Donovan. Il ne passera pas devant Palacios. Ouh ! Oh, il vient de prendre très très cher, la Donovan. Oh, c'est très très sale ce qu'il vient de prendre. C'est dommage derrière que ça soit gâché. Mais là, il vient de prendre très très cher. Et Mosquera, 4-1 pour Atlanta. Attention à Atlanta quand même. T'es en train de bien bien revenir au bon moment. Ils sont en train de nous faire une Seattle Sounders qui habituellement termine toujours en fanfare. Ouais, ils reviennent très très bien. Hein. Ils en ont passé 5 faciles la dernière fois face à l'Inter Miami. Ils sont en train d'en passer 4 à Montréal. Attention quand même. Ouh, attention à ce ballon. La possibilité peut-être de... Ah, il va réussir à se retourner. Non, il n'y arrivera pas à récupération. Il est Sanchez. Ouh, Kravstev. Si Vela avait réussi à lui remettre le ballon, il y avait gros danger. Potentiel. Ils finissent mieux, le LAFC. Ils finissent beaucoup mieux. Ouh, là, il y a main. C'est pas sifflé. J'ai découvert qu'il n'y avait pas de goal line technology en MLS. Ah bah écoute, tu vois, je le découvre aussi, tiens. Allez, Gazdag. Qui va venir jouer sur le côté droit. Allez, Alejandro Bedoya qui repique dans l'axe. Intercepté par Ilié Sanchez, Bogush. Qui va aller au duel. 1 contre 2 et il va obtenir le coup franc. On va se faire un 0-0 les amis. Et Ordaz qui entre à la place de Bogush. Justement, ils ont fait l'appel à la vidéo pour valider le but et le commentateur a dit qu'il n'y en avait pas en MLS. Et ils n'ont pas su dire si le ballon était entré ou pas. Ok. Ouais, c'est étonnant quand même. Et c'est Crépeau qui va aller jouer ce coup franc. À 30, 40 mètres de ses buts à peu près, le long de la touche. 6 minutes de temps additionnel. Allez. Alors peut-être. Je sais pas si on peut y croire. Hein.
Allez, crépeau qui allonge. Récupération Bwanga. Bwanga qui a tenté le petit pont. Ça passera pas à la touche à venir pour Diego Palacios. 6 minutes de bonheur en plus, c'est exactement ça. Il va y avoir un but. On va y croire. Soyons optimistes. Bwanga qui se retourne et qui perd le ballon. Ouais, et Kravstev qui a fait un petit peu n'importe quoi. C'est terminé entre Cincinnati et Charlotte. Victoire de Cincy 3-0. Fait tourner un petit peu côté Philly. Et on va essayer d'allonger justement. On essaye quand même d'aller chercher la victoire. La récupération de Gazdag. C'est pas forcément un super résultat hein, pour le LFC quand même. Le match nul. Bon, ça reste à Philly. Mais dans la course à la première place. Attention, si jamais Saint-Louis fait un résultat hein, du côté de Minnesota. Pas gagné non plus, hein, mais... Ouh, le bon tacle. Ouh, la récupération derrière. Et il y a un 4 contre 2 à jouer. S'il est bien joué, Bwanga qui est parti. Je crois qu'il est hors-jeu. Je crois qu'il est hors-jeu, Denis Bwanga. En 1 contre 1, il va tenter le dribble. Ça s'est jeté. Il a encore le ballon, Denis Bwanga. Et on va revenir au hors-jeu, je pense. Et Damien Love avait bien joué le coup. C'est extrêmement mal joué, hein, ce 4 contre 2. Il n'était pas hors-jeu. Alors, il n'était pas hors-jeu du tout. Mais c'est très mal joué. Ouais, c'est pas bien joué. Ouais, c'est solide, Philadelphie. Ah, bah, c'est solide. Hein. Ça. Ouais, je pense que la première passe, c'est pas bonne, Rodolphe. Bon, là, il est pas hors jeu, clairement pas. On a à nouveau un ralenti. Je sais pas qui le lance, je crois que c'est Kravstev qui le lance. Il doit fixer. Il doit venir aller jouer ce 4 contre 2. Parce qu'en plus, la balle, elle est un peu excentrée, un peu loin. Et ça permet à Damien Love de venir refermer l'axe. Et ça flingue la supériorité, en fait. On est venu prendre le point qui nous était donné au coup d'envoi. Ouais, ouais, la passe est un peu molle et pas donnée dans le bon espace. Ce qui fait qu'il perd de l'avance en fait. Il perd de l'avance et il perd un angle. Et donc ça flingue le 4 contre 2 potentiel qui pouvait se, bah, qui pouvait se jouer. Hein. C'est peut-être pas fini. Ouais, ça défend bien quand même, hein, côté Philly. Terminé entre Atlanta et Montréal 4-1 pour les Five Stripes. La récupération, il est Sanchez. Bwanga qui tente de passer par-dessus. Et Murillo qui balance. La récupération, André Blake. On est dans le temps additionnel, vous le voyez. Il reste 1 minute 30. C'est aussi le temps additionnel entre DC et New York. À la fin, on fera un petit point. Parce qu'on est sur des matchs où c'est la mi-temps ailleurs. Et je vous laisserai, si vous le souhaitez, aller vivre les deuxièmes mi-temps des autres matchs. Attention à ce ballon dans la profondeur. Ça a été coupé. Remarquablement coupé, par Elliott. Et le long ballon, il va falloir courir là. Bon courage pour Bedoya. Et pour Gazdag surtout. Kravstev. Opa! Le petit crochet va continuer. Ah, mais là, il va être repris par Kai Wagner et par la défense. C'est pas Kai Wagner qui l'a repris.
Et André Blake, à mon avis, on va y aller au 0-0. On va y aller tranquillement à ce 0-0. Je déclare officiellement ce match purge de la soirée. Ouais. On va dire que c'est les conditions météo. Ah, je pense que c'est le Philly LAFC le pire de l'histoire. Hein, parce que vraiment, c'est toujours des matchs assez spectaculaires. Je vous renvoie vers cette finale 2022. Qui est probablement la plus belle finale que l'on ait vue en MLS. Vraiment, vraiment, vraiment. Finale exceptionnelle. Bah voilà, c'est terminé. 0-0 entre ces deux formations. Bah voilà, on va pas dire qu'on s'est régalé parce que c'est pas vrai. On s'est pas régalé sur ce match, malheureusement. Je suis pareil, je m'attendais à beaucoup plus aussi. Et ça devient n'importe quoi ailleurs aussi parce que New York vient de mettre le 5e contre DC United. Voilà, on aurait dû aller sur ce match-là qui s'annonçait pour le coup, qui avait lui des airs de purge potentiels. Mais non, voilà. Concrètement, non. On va essayer de voir qui est le cinquième buteur. S'il y a un... Enfin, qui a marqué le cinquième but? John Tolkien. Superbe. 5-3 quand même. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et j'attends que ça soit à la fin. Et comme ça, derrière, on pourra voir les scores. Vous les voyez, ils sont affichés. On attend, ça doit être 90 plus 3, ouais, ça bougera pas forcément beaucoup là je pense quand même. On peut aller voir la fin, allez on va aller voir la fin. On aura des buts la prochaine fois, c'est ça, on va se dire ça. On va se dire ça, on va voir combien de temps il reste du côté de... On doit être au bout, hein. Tac tac tac, il est où le match, DC New York, il est là. Hop, DC New York, le temps que j'arrive à mon avis, le match sera terminé. Ah pas encore. Et là aussi, hein, les conditions météo, ils sont en train de se prendre une tornade, pas qu'au niveau des buts. Hein. Il n'y a personne dans les tribunes, tellement ils sont en train de prendre cher. Bon, et puis DC prend cher aussi chez lui, hein, très concrètement. Il y a 6 minutes additionnelles, il reste 5 secondes. Voilà, sur ce DC New York Red Bulls, le centre à venir, attention. Non, allez, ça va en rester là. Je pense que ça va en rester là tranquillement. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, on a les scores. On a les scores, je peux vous les donner comme ça. Je vérifie que c'est la mi-temps là-bas. Oui, c'est la mi-temps. Parfait. Allez, voilà les scores de la soirée. Atlanta s'est imposé 4 buts à 1 face à Montréal. Cincinnati s'est imposé 3 buts à 0 face à Charlotte. New York vient de s'imposer 5-3 face à DC United. Le truc totalement impossible, improbable. Enfin, voilà. Et nous, on s'est fait le seul 0-0, pas tout à fait le seul, parce qu'il y en a un autre pour l'instant, il y a 0-0, c'est la mi-temps entre Minnesota et Saint-Louis, 0-0. Et sinon, il y a des buts ailleurs, un but partout entre Chicago Fire et New England Revolution, un but partout aussi entre Dallas et le Crew, et 2 buts à 1 pour Kansas City face à Houston. Ce sont la mi-temps, c'est la mi-temps sur ces 4 matchs-là, les 4 matchs qui sont sur le bas de votre écran, qui sont des matchs qui ont démarré à 2-30, donc si vous voulez aller vous faire les deuxièmes mi-temps, eh ben, allez-y. Si vous avez envie de tenter l'exorcisme du 0-0, vous pouvez aller sur Minnesota-Saint-Louis. peut-être qu'il n'en restera pas 0-0 et qu'on aura fait le seul 0-0 de la soirée. Match qu'on n'annonçait pas du tout 0-0. Ouais, ça reprend au Fire, ça va reprendre de toute façon, puisque c'est l'heure des reprises à peu près là. Mais voilà, écoutez, nous, on va en rester là pour ce soir. Je vais vous laisser aller voir les deuxièmes mi-temps. Il y a le Classico Reggio. Alors, je ne sais plus à quelle heure il est, lui. Je vais regarder rapidement parce qu'il est beaucoup plus tard, il me semble. Il est beaucoup plus tard. Je vais vous dire. Si quelqu'un a l'heure comme ça, sinon je trouve. Hein. Je vais trouver en 2 minutes.
Mexique, Mexique, 5h05, 20h là-bas, voilà. 5h05 chez nous, donc mettez-vous devant Minnesota-Saint-Louis si vous tenez, et vous serez presque à l'heure pour le 5h05 de Tigres-Rayados. Ça joue en ce moment hein, en Liga MX, ouais ça pique un peu. Les Chivas 0-0 face à Pachuca et León Tijuana 0-0 aussi en ce moment. Voilà, ça joue en un petit peu partout forcément en Amérique, dans les Amériques de manière générale. Et donc voilà, ça va reprendre hein, sur les deuxièmes mi-temps. C'est bientôt la fin des matchs en Argentine entre Huracán et Vélez, toujours 2-0, il reste 7 minutes. Il reste 7 minutes aussi entre Central Córdoba et Defensa y Justicia, 2-1 pour Central Córdoba. Ça va nous relancer la course au maintien, vous avez vu que c'est un peu la folie pour la survie argentine avant que d'ici un mois, Chiqui Tapia nous annonce qu'il n'y aura pas de descente en Argentine. Hein. Forcément, on sait tous qu'on est en train de se passionner pour un truc qui n'existera peut-être plus dans quelques semaines. Mais bon, c'est ainsi. Bref. Je vais vous laisser aller vivre tranquillement les deuxièmes mi-temps des matchs de MLS qui vont reprendre. Il y en a un qui démarre tout juste, c'est Salt Lake contre Vancouver. Ça démarre, voilà, d'entrée. Ça a repris entre Minnesota et Saint-Louis. Ça n'a pas encore repris, hein, je ne suis pas sûr. Ça va reprendre entre Chicago et New England. Ça va reprendre forcément partout. Je vais vous laisser y aller tranquillement. On va se donner rendez-vous. Bonne question. Pas sûr qu'il y ait un 9-10 lundi soir, je vous le dis comme ça, j'en suis pas sûr. C'est pas gagné. Voilà, je vous tiendrai au courant. Et puis, il y aura un gros programme la semaine prochaine, puisqu'il y a de la Libertadores, et puis parce qu'il y a la finale de Léo Messi, hein, qui va l'envoyer directement en finale de la Libertadores 2024. Enfin, vous savez, hein, vous connaissez. Bref, merci à vous tous, merci à ceux qui ont été dans le chat ce soir à ces heures aussi tardives, 3h42, on est bien. Merci à ceux qui regarderont tout cela en replay. Et puis, bah voilà, hein, je vous donne rendez-vous forcément sur les réseaux sociaux de Hello, sur le Discord de Hello, sur les différentes plateformes. Et puis, suivez-nous et vous saurez quand aura lieu le prochain live. Merci encore à vous tous et à très très vite. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Bon match au singulier ou au pluriel à ceux qui continuent à mater du foot. Salut à tous.